Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est le retour de MMA Chill and Fight. Je vous avoue que ça m'avait manqué quand même, ce plateau, cette musique, cette ambiance. On repart, on a passé le premier round, on peut le dire avec succès. Eh bien je peux vous dire que dans le deuxième, on va encore augmenter le niveau. Alors j'espère que vous êtes prêts pour être avec nous tous les vendredis et tous les jeudis sur Twitch en direct. Alors vous connaissez le concept hein, de la baston tout en décontraction. Et pour m'accompagner comme d'habitude, votre speaker préféré, le Benjamin Button des sports de combat, on peut le dire comme ça, Sébastien Love. Comment ça va Seb? Salut Lucien, salut à tous, quel plaisir de revenir pour cette deuxième saison. Et comme tu l'as dit, ça va être une super saison et on la commence très très fort. Alors je vous rappelle, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas, vous nous envoyez vos messages pour notre invité. Et d'ailleurs tu vas nous la présenter tout de suite Seb, c'est à toi. Elle nous vient d'Épinay-sur-Seine, la femme qui murmurait à l'oreille de ses chiens. Elle change de coupe de cheveux tous les 24 heures, s'il vous plaît. Nora Nose Corner. Oh oui. Tu m'as pas checké, tu m'as mis une crampe. Ouais, je te check. Y a rien qui va. Y a rien qui va, mais c'est ça, et même à Chill and Fight aussi. Hein. Voilà. Et moi, j'ai pas le droit, non, de toute façon, c'est toujours pareil. Mais bon. Ah bah, quand même, non, voilà. Non. Mais on se connaît tellement plus longtemps avec Nora. Voilà. Non, mais attends, mais je visite, mais c'est intéressant. Nora Cornel, combattant de UFC, messieurs, dames, quand même, qui est sur le plateau. Bonjour. Oui. Voilà. Je sais pas quelle caméra, mais bon. Bonjour. Alors, ça, c'est le salon, Nora. Voilà, t'es chez toi. T'es chez toi. Et tu vois, c'est meilleur quand c'est gratuit, comme eh ben voilà. On combat sur Twitch, samedi. Les bonbons aussi. Ah, il y a tout pour toi, Nora. Voilà, je suis venue pour le bordel. Ici. Je ne sais pas pourquoi vous avez ça ici. Il y a tout. C'est magnifique. Il y a des gants, il y a tout. Il y a un plastron, si tu veux frapper. Ouais, ah, ça sera plus tard, ça. Ouais. Ça, c'est toi qui portes à la fin de cette émission, c'est moi, bah, comme d'habitude. Ah ouais, bah, bien évidemment. Il faut dire que Seb, on a eu une combattante sur le plateau. Oui. C'était Delphine. Bon, Delphine Benouèche, c'était pas... C'était pas top. Hein, non, Delphine, elle est trop frêle. Ouais. Tu vois, elle devrait changer de sport. Ouais, c'est ça. C'est ouais, non, le MMA, c'est pas pour elle. Mais bon, là, quand même, on a du lourd. Nora Cornol. Nora, comment ça va? Messieurs, alors, écoutez. Déjà en train de manger les bonbons, Nora, exactement. Direct. Exactement. Ce qui n'a pas du tout avec mon activité, justement. C'est ce que j'allais dire. Je fais, Nora, sérieux. Mais arrête, en plus. En fait, sous tous les angles, on voit. Ouais, tu peux pas y échapper. Ah, mon ouais. Dieu. Ah ouais, même comme ça. Je tiens à préciser, moi, je me suis fait opérer des dents de sagesse mercredi dernier et j'étais à l'agonie. Je pensais que j'allais mourir quasiment. Et puis, j'ai vu Nora arriver dans notre studio et je me suis dit, ah, bon, au final, ça va. Je me plains plus. Je vais pas cacher ça tout. Je vais pas cacher ça pendant une heure. Bon, bah voilà. On l'annonce. On pas se dire à la fin dans les commentaires, elle a la gueule de travers à l'autre, elle s'est bien fait démonter samedi. Alors justement, tiens, on va démarrer tout de suite. Vraiment, ça se voit pas tant, je te jure que ça se voit c'est pas vrai, tant. C'est vrai, non, mais c'est parce que j'ai une fixette dessus. Mais en fait, vous auriez dû me mettre de l'autre côté. Toutes les missions comme ça. Non, parce qu'on remet les choses dans le contexte. Samedi dernier, l'UFC Paris, 3e édition, Nora, t'étais la première combattante française à combattre, à rentrer dans la cage. Malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme prévu, comme tu le voulais, cette défaite par décision partagée face à Jacqueline Cavalcanti, que tu avais déjà affronté en plus pour ton tout premier combat en MMA. Voilà, on est 5 jours plus tard. Est-ce que tu as pris le temps un peu de revisionner, de digérer cette défaite? Comment ça se passe pour toi, Nora? Alors, digérer, j'ai envie de dire, ça reste difficile malgré les apparences. Et voilà, je fais la fofolle et tout machin. Maintenant, je ne vais pas venir sur des plateaux être dépité, être là. Je pourrais m'allonger par terre. Ah, c'est un moment. Voilà, bien évidemment que c'est difficile. Ça fait 3 ans que je n'avais pas perdu contre cette fille en plus. Ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Bien évidemment, en off, bah, je suis un être humain. Je suis une athlète et c'est très difficile de... Ouais, dans le parcours d'une athlète, en fait. Et je voulais vraiment tu sais, cette espèce de fantasme du run à tirer zéro, donc sans défaite à l'UFC, tu vois. Bon, bah, écoute, je vais essayer de rester sur le tirer 1 contre la même meuf, tu vois. Mais difficile, ouais, j'ai revisionné le combat. Ouais. J'ai revisionné le combat et voilà. Même si ça fait, comment dirais-je ça emmerde certaines personnes. Moi, je reste à peu près sur les mêmes propos que j'ai tenus dans une autre émission plus tôt cette semaine. J'ai regardé les stats qui sont très serrées, qui auraient pu aller dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, si on retire le knock, enfin le knock, c'est même pas vraiment un knock parce que je mets la main au sol, je le saisis. Dans le deuxième round. Elle met une foot derrière, exactement, voilà, où il y a clairement 3 coups forts qui touchent. Je me ressaisis pour autant. Là, encore une fois, je le réitère, là où je me suis pas aidée, c'est sur la posture qui vraiment
vraiment visuellement donne l'impression que je suis en train de subir et tout. Mais voilà, en fait, c'est bah, faut se remettre hein, d'une espèce de d'un beau bras arrière qui est bien passé à cause d'une erreur sur laquelle on avait travaillé, qu'on ne devait pas faire, pas sortir les jambes, Nora, quand tu es contre la cage. Mais ça, je l'ai dit, hein, deuxième et troisième reprise, malheureusement, j'étais plus là. Je sais pas encore ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai pas suivi le game plan, chose qui ne me ressemble pas. Mais voilà, hein, le premier round, je le prends sans. Ah, il y a pas. J'en perds mon français, tu vois. Je veux dire, je l'amène au sol, grosse erreur de stabilisation et je sens que je vais la perdre. Je crois pas assez en ma clé de bras quand elle retourne et tout. Ce qui fait qu'après, je reste par terre et quand elle est par terre, bah, je mets quand même les talons dans les cuisses et je sens que ça lui fait mal. Je me relève. Deuxième round, bah, il se passe ce qui se passe, mais il n'empêche qu'après ça, si on regarde le reste, l'autre moitié du round, les 2-30, bah, je vais pour l'amener au sol et je la tire fort et puis elle s'agrippe fort, mais elle s'agrippe vraiment fort et je le sens à tel point que je gueule. Bah ouais, c'est mon caractère qui reprend le dessus et l'arbitre vient une seconde après pour lui taper la main, mais elle a déjà le temps de se repositionner et de, pour te dire à quel point j'analysais, hein, mettre son bras en opposition pour ne pas se faire arracher en fait, tu vois. Et là, je voyais la suite de cet arraché qui, je le prends pas comme excuse, mais voilà, je relate des faits en fait. Je relate des faits. On peut relater des faits dans la vie et c'est ce que je fais. Et puis, tu nous disais en plus que dans ce moment-là où elle accroche en plus la cage, toi, c'était des choses que tu as énormément travaillé à l'entraînement. Tu savais exactement ce que tu allais faire et que ça allait marcher. Donc c'est d'autant plus de frustration. Ouais, bah ça fait mal. Et puis quand on en reparle avec Johnny, parce que si tu veux, c'est vraiment une séquence qu'on a travaillé, retravaillé. C'est je l'amène, bam, j'ai exactement la position au sol de stabilisation. En plus, elle est bloquée avec la cage et j'ai exactement ma trajectoire de frappe avec les coudes où concrètement, là, c'est pas pour faire du dégât, c'est pour ouvrir et que le combat s'arrête, en fait. Et bah, malheureusement, voilà, j'ai pas su redonner la même énergie pour recommencer cette action. Et bah, la suite est que... je ne sais pas comment, peut-être qu'il note le round à son avantage, évidemment, avec ce coup fort qui marque visuellement, au niveau de l'attitude, qui marque, parce que voilà, si on revient sur des critères de jugement, il y en a plein, il y en a qui parfois sont plus subjectifs que d'autres, mais voilà, et puis bah, le troisième round qui est serré, c'est vrai que je crois que je suis devant, parce que du coup, je demande à mon coin si je suis devant ou pas, on me dit que oui, mais pareil, tu vois, le problème, c'est qu'on ne me dit pas et c'est pas que je cherche pas à insister ou quoi, c'est que j'ai une boxeuse qui est attentiste en face de moi, tu sais, donc qui cherche le contre. Donc on a déjà fait deux gros rounds, je suis un peu entamée quand même à cause du bras arrière que j'ai reçu dans le deuxième, donc je me dis on va peut-être éviter les risques inutiles si je la rush, elle attend de me cueillir avec son uppercut arrière, et je le sais, je l'ai suranalysé, donc je le sais. Donc écoute, malheureusement la décision va en sa faveur, et oui, je suis surprise à la fin du round, et oui, avec l'émotion, je dis des choses à la fin du combat où je suis persuadée de prendre les trois rounds, mais ce que les gens ne savent pas à ce moment-là, et je l'ai expliqué, c'est qu'à ce moment-là, je ne me souviens pas que je me suis fait sonner au deuxième round. T'es encore sous le crochet droit, j'ai vraiment, et en fait, à tel point que je vais au médical, et je suis tellement vénère, je dis non, je veux regarder le fight maintenant, je veux le voir maintenant, et en fait, quand je retourne en arrière sur le live, je vois le moment où je me fais sonner, et je regarde mes coachs, je dis hein. Ça s'est pas passé, ça. Ouais. Ah, c'est vraiment eu un moment d'absence totale. Bah, Sinora. Et en fait, pour vous dire à quel point le cerveau, il peut effacer des micro moments. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive en combat, hein, où je me souviens pas de me faire sonner et tout, parce que je suis tellement dans ce truc où bah je me fais pas mettre KO que bah du coup, tu sais, moi, je suis en pilote automatique parfois, tu vois, et que je continue et je vais tellement toujours de l'avant et je mène ma guerre jusqu'au bout. Que bah, je pense que, tu vois, même si je sais pas, je suis sûre que Benoît il doit être un peu comme moi à ce niveau-là, il doit se manger des coups dont il se souvient pas et il est tellement en mode agressif et tout que voilà, c'est ce qu'on retient. Mais voilà, pour ce combat, on passe à la suite. Ton premier fight, tu t'es inspiré du premier combat, moi je me souviens, c'est moi qui avais expliqué, n'est-ce pas? C'était le FFA Challenge, c'est ça? C'était le FFA Challenge, exactement. Et tu l'as revisionné ou pas du tout? Parce que ça faisait 3 ans maintenant. Bah, je l'ai revisionné, mais juste comme ça en fait, juste pour plutôt me remettre dans un mood et me rappeler de certaines émotions, pas pour ce qui en tirait, parce que ça faisait 6 mois que je faisais du MMA. Redouane, c'est le seul moment où dans ma carrière il n'a pas été dans mon coin, parce qu'on se boudait.
Mais parce que t'étais passé en MMA? Non, même pas. C'était non. Au contraire, il est vraiment dans quelque chose où il me suit jusqu'au bout. On coach, je vais faire du Muay Thai, on fait du Muay Thai. Le MMA, ça te plaît plus, on fait du MMA. Tu veux arrêter les sports de combat, tu veux être maman, bah sois maman, tu vois. C'est vraiment cool, c'est important. Hein, ouais. C'est génial. Ouais, il est génial, il y a pas à dire. Mais du coup, j'avais pas la stratégie que j'avais mis en place qu'au dernier round sur ce premier combat j'ai voulu tout faire parce que Mathieu tenait à ce que je fasse du MMA, même si je ne gérais pas les abdos au sol, même si je ne gérais pas le sol, à faire un peu du n'importe quoi. Alors qu'en fait, ce combat aurait pu se faire strictement en pied-point. Et j'aurais juste pu me dire, OK, on est en pied-point fin, en fait. Mais voilà, juste ça a été intéressant à regarder parce que forcément, elle garde des défauts quand. Jacqueline, c'est une personne qui n'aime pas être acculée. C'est une boxeuse qui ne sait pas résister à la pression et au rush dont je te parlais. C'était vraiment ça la stratégie. C'est que une fois qu'elle est sur les talons et tout, elle panique en fait. Et vraiment, tu le vois, si tu regardes son visage à l'interround entre 1 et 2, elle est en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, j'entendais pas à ça en fait. Et j'ai pas su maintenir à cause d'un. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de psychologique qui s'est passé à cause d'antécédents pendant la prépa, à cause du fait où je me sentais pas tout à fait dedans, je me sentais pas, j'ai dit un truc de ouf à mes coachs, tu sais, quand t'attends au moment du rideau avant qu'on t'annonce, j'aurais dit, ah, je sais pas, je suis bizarre dans mon corps, je suis pas là et tout, et j'avais un faux regard, enfin pas de méchante, tu vois, mais un faux regard focus, et le problème, c'est que je me suis fait avoir par mon propre cerveau, en m'imposant moi-même des espèces de croyances limitantes, où tu sais, j'ai beaucoup eu, même au long de mes études et tout, cette espèce de comment on dit, syndrome de l'imposteur, tu vois. Je suis pas à ma place. Ouais. Pourquoi? Parce que ça arrive dans un combat? Dans un combat, c'est la première fois. Et je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je te dis, là, j'ai pas encore pris le temps d'écrire. J'ai vraiment besoin d'écrire et poser chacun des éléments. OK, qu'est-ce qu'il y a pendant la prépa? Je le sais à peu près. On n'est pas revenu dessus, mais je vais finir par préciser, ce n'est pas du combat. Je ne suis pas gonflée à cause du combat. C'est pas battu avant. On va revenir dessus. Mais avant le combat, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Chaque chose que j'ai vue, j'ai senti. Faire une introspection un peu. Exactement. C'est exactement ça. Retourner sur ça et vraiment être sur un focus. Et c'est pour ça, je pense que là, ça va faire un peu comme. Comment il s'appelle, Jiri? J'aurais besoin d'aller me foutre dans une montagne ou dans le noir au sous-sol. Bon, sous-sol avec une petite lampe si je veux écrire, mais. Mais tu fais souvent ça, Nora, après tes combats, avant tout réécrire, tout poser pour faire une introspection, comme tu dis, avoir tous les éléments qui peuvent te permettre de bien analyser, bien repartir. Non, mais ce combat, il était vraiment particulier. Tu vois, même pour Germaine, en fait, j'avais pas prévu de faire un truc pareil. Oui. Mais là, en fait, pour la première fois dans ma carrière, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a coupé dans ce que je suis, en fait, intrinsèquement, tu vois. Et c'est marrant parce que je crois que tu m'avais tenu ce propos, Seb, mais pas que, en fait. Il y a des personnes du Mouet qui m'ont écrit et des personnes qui me connaissent moi, mais qui m'ont analysé en tant que combattante en me disant, mais Nora, on a vu que c'était toi qui as 50%. C'était pas toi ce soir-là dans la cage, tu vois. Et ça m'a, tu vois, ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, waouh. Donc, en fait, ce que je ressentais, ce que je pensais savoir masquer, mettre ce masque, en fait, ouais, c'était vraiment que moi, je pensais que c'était que moi à l'intérieur, mais non, en fait, ça s'est perçu. Et si ça a transpiré et si ça a passé le masque, c'est que vraiment, il y a quelque chose dont je n'étais plus en maîtrise, en fait, pendant cette soirée-là. Et c'est extrêmement difficile pour un athlète. J'arrive déjà à prendre du recul dessus. C'est déjà dingue. Ouais. 5 jours après, être aussi lucide sur tout ce qui s'est passé. Et tu vois, les gens pensent que je suis dans la lune et compagnie par rapport à ce qui s'est passé. Déjà, d'une part, tout le monde a le droit d'avoir son point de vue, tu vois. D'autre part, je pense que je suis quelqu'un de très humble. Je sais reconnaître la défaite et je sais quand elle est là. Je sais où j'ai péché et je pense que je l'ai suffisamment dit. J'ai plus à me justifier sur tout ça, en fait, bout d'un moment. Soit on connaît le MMA, les règles et compagnie, machin, nanana. Et puis à un moment, je sais aussi qui je suis et je suis très, très, très loin d'être une mauvaise perdante, tu vois. Je sais reconnaître quand c'est là. Là, je sais où j'ai péché. Finalement, tu sais, c'est marrant, hein, mais je me suis fait beaucoup contacter par des préparateurs mentaux. J'allais te poser la question. Je t'ai pris de court, excuse-moi. Non, t'inquiète. Mais tu vois, il y en a un qui lance son podcast et il a commencé avec Aurélien Duarte. Je t'enverrai, peut-être que ça va t'intéresser. Et en fait, il m'a dit, tiens Nora, par rapport à des choses que tu as dites pendant tes interviews, je vais t'envoyer cet extrait de 2 minutes juste parce que ça m'a... Et en fait...
j'ai utilisé son extrait dans ce début d'introspection, peut-être pas comme il le pensait, mais pour revenir à ce mental que j'avais en Muay Thai, et comme je le dis souvent, je n'ai pas retrouvé la méchanceté depuis la maladie et mon arrêt, cette mentalité de vraie méchante que j'avais à l'époque, tu vois, où vraiment c'est vraiment le... Tu vois. Et en fait, dans cet extrait, Aurélien explique à ce préparateur les règles un peu de la boxe à l'époque où il n'y avait pas de points levés, il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas de gagnant. Et que finalement, bah, c'est à l'issue du combat, bah, il ne restait que les dommages et compagnie. Et ce que j'ai oublié de me dire, et c'est en partie par ça que je me suis fait avoir, comme je te dis, je craignais quand même finalement un peu le compte dans le troisième. Et donc, je n'ai pas donné cette énergie que j'aurais donnée, comme tu as pu me voir en Muay Thai, et j'y vais jusqu'au bout, et on s'arrache, et machin. Mais c'est vraiment, je ne me suis pas assez dit, Nora, peu importe que tu sois en avance ou pas, là, ouais, tu aller, dois aller gestion, faire la guerre ouais. jusqu'au bout, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué dans ce combat. Et ça ne me ressemble pas qu'il me manque ouais. ça, tu vois. C'est limite antinomique avec Nora Cornol, en fait. Et je me suis dit, pourquoi ? Et ça, pour moi, c'est un vrai point d'analyse et c'est un vrai point sur lequel je vais creuser parce que je ne veux plus jamais, au grand jamais, que ça se reproduise pour personne. Tu vois, C'est marrant ce que tu dis parce que... Enfin, c'est marrant. Moi, c'est pas drôle, okay. Pas du tout, en fait. Qu'est-ce qu'on se marre ? C'est hyper intéressant. Parce que moi, la dernière Nora que j'ai vue, que j'ai connue en Muay Thai, ouais. c'est ton combat à l'Hexagone. C'était à Paris. Tu rencontrais souvent. En MMA, tu veux dire. Là, j'ai vu la Nora du Muay. Avec cette espèce de, je dis méchanceté, ça, c'est pas ouais. hein, non, avec cette méchanceté de. J'entends méchanceté de contre Jacqueline, ouais. c'est ton premier combat en MMA, d'accord. Contre Marie Loiseau, c'était au GFA à Nîmes, ouais, pareil. Exactement. Et là, contre, comme tu dis, alors on va prendre cette citation, l'œil du tigre, je l'ai pas vu. Ouais, non, mais tu peux. Alors tu qu'en c'est... Mouais, et j'ai l'impression que tous les mecs et les nanas qui viennent du Muay Thai, qui passent, qui vont en MMA. La transition est dure, ils perdent un peu ça, tu trouves. Hyper. Alors, le premier où j'ai vu, c'était pas du tout le même, c'est Cédric Doumbé. Ouais, ouais. Je retrouve pas le Cédric que moi j'ai adoré en pied-point. Oui. Voilà. Avec les adversaires aussi. Voilà, c'est pas le même sport. Ouais. Mais cette, encore une fois, c'est juste le mot, hein, cette méchanceté, cette agressivité bien placée, je la retrouve pas. Je l'avais vu contre. Je te dis, c'était à l'Hexagone, j'ai fait putain, Nora. Et c'est pour ça que l'on me disait, Seb, tu penses quoi, Nora ? Pour te dire, hein, j'ai pas regardé ton combat en direct, j'étais avec des potes, je me suis dit, laisse tomber, ça dure un round. Bah, Jacqueline, elle tient pas un round. Ouais. Et quand on m'a dit, Seb, Nora l'a perdu, j'ai fait, quoi, alors quoi, l'ami KO comment ? J'étais persuadé que tu l'avais, parce que ouais. dans ma tête, moi je restais, voilà. Après, bon, je regarde, j'analyse, et puis une défaite, c'est rien. Enfin, ouais, mais je t'avoue, grave. Tu vois, pile c'est ce que pas... tu dis, ouais, mais pile ce que tu dis, c'est archi crève-cœur pour moi, parce que... Non, t'en vas pas, Nora, t'en vas pas. On n'a pas de backup, on n'a pas d'autres invités prévus, tu restes ici. Et c'est ce que je t'ai dit dans le message. Parce que moi, je sais comment tu es, j'ai suivi ta carrière en Muay, je sais comment tu es, donc je me dis, c'est rien, ça, c'est une petite défaite, c'est que dalle, une petite défaite, va y avoir des grosses victoires. Et c'est pour ça que je te l'ai dit, j'ai dit... C'est pas grave en fait. Et finalement, c'est peut-être ce qui pouvait t'arriver de mieux. C'est ça. Retrouver ce. Moi, je veux voir cette Nora qui rentre dans la cage, qui n'en a rien à foutre. Elle, ce qu'elle veut, c'est. Encore une fois, c'est un terme, c'est pas méchant, mais détruire l'adversaire. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. Et je suis à la limite content. Je suis content parce que. Ah putain, tu t'es fait botter le cul. Eh bah, tant mieux. Ouais. Comme ça, tu vas revenir. Et Germaine, prends-la en taille. Mais prends-la en taille. Pour une mais moi je veux alors, voir. Appel mais c'est ça. S'il vous plaît. Mais c'est ça. Mais oui. J'en ai aucune. Alors. Donc Germaine, non mais franchement, c'est ce ça. Serait tellement un honneur. Juste... En plus, tu sais, on s'est écrit en MP une fois qu'elle a pull out et tout. Et franchement, elle a l'air trop sweet comme personne. Mais j'aimerais tellement. En fait, je l'ai tellement encensée dans mes interviews que j'espère qu'elle va accepter. Mais parce que vous êtes deux belles personnes. Deux belles personnes qui vont s'affronter. Ça va être une guerre terrible. Mais ça va être une guerre de respect. Ça va être une guerre de valeurs. Exactement. Et moi, c'est ça que j'aime dans le sport. C'est ça. C'est exactement ça. Justement, Nora, est-ce que ça t'a affecté ? Parce qu'on reprécise, c'est Germaine de Randemi, la néerlandaise, l'ancienne championne de l'UFC qui a 40 ans maintenant et qui vient du Muay aussi. Donc, ça devait être ton adversaire au début. Ça t'a affecté, ça, le fait qu'au final, ça n'a pas pu se faire et que... Ça m'a rendu super triste. Ouais. Franchement, ça m'a rendu super triste parce que pour moi, c'était tellement avec la musique triste. Mais oui, c'est génial. C'est la régie, bravo, la régie. Ils sont forts. Non, ils sont forts. Bonjour. Ils vont mettre la barrière. Ça, c'est Faustine Bollaert, là, et son émission. Comment ça s'appelle, l'émission de Faustine Bollaert? Ah, c'est bon. Ah, ça repart. Et une petite voiture.
Hop là. Allez, on est dans l'émotion, là, voilà, c'est ça, MMA Chill and Fight. En fait, nous, on voit un programme où on se marre, où c'est... Mais en fait, on veut les faire pleurer, les combattants et les combattantes, c'est ça. Non, Germaine, ça a été très, très difficile, je vais pas te mentir, parce que, pour toutes les raisons que j'ai déjà abordées, c'est on vient du pied-point. Pour moi, c'était l'occasion de me confronter à l'une des meilleures que je voyais depuis des années. Mmh. Elle a été championne de l'UFC, tu sais, elle a un sacré palmarès. Les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, c'était un honneur, parce que, tu sais, quand je suis rentrée à l'UFC, je me dis bon. La fameuse blague que j'aime faire, je vais la ressortir parce que, comme par hasard, quand je signe, Amanda prend sa retraite. Coïncidence, je ne crois pas. Elle a eu les miquettes, Amanda. Non, et puis du coup, en personnes qui ont marqué le sport, et je te parle vraiment du sport et tout, là, ce n'est même pas sportivement parlant parce qu'ils vont dire, ouais, elles sont sur le déclin et tout, mais moi, affronter une Holly Holm, affronter une Misha Tate, affronter une Germaine. Ouais. C'est incroyable. Après, comme je dis, la première fois, j'ai dit, j'étais déçue par rapport à Germaine parce qu'on avait proposé d'autres filles où, sportivement parlant, pour monter dans le ranking, ça m'intéressait plus, tu vois. Donc, c'est vraiment deux perspectives différentes, là, tu vois. Sportivement parlant, je suis grave sur Norma Dumont, qui maintenant est numéro 5. Donc, voilà, quand je l'ai demandé à l'époque, elle était numéro 10. Et à l'époque, c'était à même pas deux mois. Hein, donc, ça allait vite, tu vois. Massi Chiasson, où vraiment, sportivement parlant, ce serait incroyable, le feu. Mais vraiment, sur le côté histoire et tout, ce serait tellement beau, franchement, ce serait des souvenirs incroyables pour moi, vraiment. Germaine, ouais, Holly Holm, enfin, c'est des figures, quoi, bien tu sûr. Vois, c'est ça, à tout le monde. Et tu vois, même quand, et je l'aurais dit, tu vois, quand on parle mal de Ronda Rousey et tout, si nous, les femmes, on est à l'UFC aujourd'hui, c'est grâce à elle en premier lieu, en fait. Il ne faut pas avoir la mémoire trop courte, et il faut rendre à César ce qui est à César, tu vois. Et pareil, genre, un retour de Ronda, bon, c'était dans les petites, les bruits de couloir, mais bon, ça aurait été incroyable, moi, je trouve, tu vois, je me dis, oh, Ronda Rousey, trop bien, allez, Amanda, reviens aussi, c'est une grande fête. mais bien sûr, j'ai conscience que quand je dis tout ça, encore une fois, c'est mes aspirations, c'est là où je veux aller, et si j'avais pas eu des aspirations avant d'aller à l'UFC, avant d'être pro, quand j'étais encore amateur en Mouais, je serais pas là aujourd'hui, donc au bout d'un moment, faut voir plus loin que le bout de son nez, et oui, c'est tout à fait normal de penser à ce genre de match-up, et que je pense pas juste au prochain de « je vais prendre là, machin pas classé », non, au bout d'un moment, je veux aller loin, mon objectif c'est la ceinture, je l'ai déjà dit, oui, je n'ai plus 25 ans, mais si là j'étais une limite, ça se saurait, je serais même pas rentrée à l'UFC, en fait. Donc voilà, je veux dire, si tu commences ta carrière d'athlète en ayant des croyances limitantes et en te disant tu vas nulle part, en fait. Ça veut dire que tu ne peux rien dire, tu ne peux pas avoir d'aspiration, tu ne peux pas avoir d'ambition. En France, en fait, j'ai vraiment cette impression. Tu dois te faire tout petit et tout, parce que quand tu dis là où tu veux aller et vraiment ce à quoi tu crois, tout de suite, tu te la racontes, en fait. On en a parlé. C'est ce que tu vois moins aux États-Unis où eux, pour le coup, affichent clairement leurs ambitions tout le temps. Des fois, c'est un peu démesuré, mais ils le font. Mais ça passe mieux quand ça vient d'un ricain, mais pourquoi, en fait? C'est ça, non, mais parce que c'est stylé, tu vois. C'est comme le rap carré, ça passe mieux. Mais dès que tu traduis les paroles, tu te dis. Non, mais ouais. Alors que c'est normal qu'un sportif de haut niveau. Tu veux pas être en dessous, tu veux pas être en Ligue 2. Tu vises le top niveau. Non, mais tu vois, j'ai l'impression. Je pense que ça commence à changer un peu quand même. Ouais, ouais. Tu vois, il y a quand même des sportifs. Ouais. Alors, c'est pas tous, mais t'en as des Léon Marchand, des Teddy Riner, des. Je crois que Arthur Fils aussi au tennis, qui a gagné un tournoi d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Lui avait dit je veux être dans le top 3, je veux gagner un grand chelem très vite. Alors qu'il n'avait encore quasiment rien fait. Donc, tu vois, t'as quand même des gars qui commencent à afficher leurs ambitions. Après, voilà, ça, c'est quand même encore très français, de pas se projeter trop vite, parce que sinon, on va dire, il a trop parlé, en fait, il a pas fait ce qu'il avait prévu, et nanana. Mais c'est surtout, tu sais, au-delà de ça, ce qui est, et c'est pour ça, faut vraiment se détacher de tout ça, et vraiment très tôt, au final. Parce que, tu vois, l'année dernière, j'avais été beaucoup affectée par les commentaires que j'avais pu voir par rapport à l'UFC Paris et tout. Et je me dis, mais en fait... Je peux pas être atteinte par ça parce que c'est des gens qui ne les commentaires pas... tu veux dire sur YouTube ou sur les réseaux ou autre. Alors Twitter je n'y vais pas parce que franchement c'est une espèce de cours des miracles là-dessus de méchanceté, hein, c'est X pardon, ouais. Je me dis en fait ça ne m'intéresse pas parce que tu vois j'ai aussi fait je te jure en fait je croyais que je m'éloignais de mes études et compagnie en allant dans ma carrière d'athlète, mais rien que la journée de samedi que j'ai passée, en allant ensuite dans le public pour regarder le reste des combats et tout, je te jure que je m'adonne encore aujourd'hui à une grande étude sociologique, en fait. C'est incroyable, mais vraiment, tu vois, et je me dis, mais heureusement que j'ai ce recul, j'ai cette analyse et compagnie, une fois l'émotionnel passé, parce que oui, je suis quelqu'un qui suis très dans l'émotion et je travaille sur cette gestion et j'en parle beaucoup parce que c'est très, très important. Ça, c'est des choses qui sont là, donc il faut en parler.
parler, il faut les faire exister et voilà. On t'aide ou pas là-dessus, Nora? Je suis désolé, je te coupe dans ce que tu allais dire, mais est-ce qu'on t'aide dessus? Parce que tu nous parles aussi d'introspection, tu vas tout mettre à l'écrit, tu as l'air vraiment vachement dans la réflexion, dans l'analyse. Est-ce que tu es aidé là-dessus par un préparateur mental ou autre, psychologue? Alors, ou j'en sais rien. Ouais. Alors, oui et non. Je vais te dire, j'ai toujours été quelqu'un où il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup et bon, j'ai mis du temps à le réaliser, tu vois. Et ça passait avec beaucoup d'activités, qu'importe. J'ai toujours été très dans la création, très dans tous les sens. Et bam, chaîne fixée, j'ai un intérêt sur un truc et je passe à un autre truc. Et je me dis, bon, quand tu commences à grandir, il faut mettre de l'ordre et tout. En parallèle, bien sûr, tout le monde a son histoire, tout le monde a son histoire, ses traumas d'enfance, et voilà, sa vie. Et à un moment, moi, c'est vrai, j'en parle très librement parce que pour moi, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Et c'est une amie qui m'a vraiment enjoint à y aller, d'autant plus parce qu'elle a fait ses études en psy. Depuis, je la connais... C'est bien plus de 20 ans maintenant. Donc depuis mes 15 ans, je voulais vraiment aller me tourner voir un psy parce que je sais que j'en ressentais le besoin. Je n'étais pas encore athlète de haut niveau. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Je vais ralentir le débit, je parle beaucoup trop vite. C'est très bien. Tu vois, on comprend à me recentrer. On en a eu des je sors du cadre à chaque fois. Excusez-moi l'équipe. On a quand même un gars qui est rentré avec un truc de sanglier sur la tête, un t-shirt burn-out. Donc, pas partir de là. Peut-être bien une tête de lionne et tout. Je pars en cacahuète. Arrêtez les gars, ça fait trop de stimuli. Mais oui, alors, et je me suis dit non et non. Parce que là, je parlais de plusieurs choses en même temps. Du coup, ça va dans tous les sens, mais c'est de votre faute. On se rejoint. Je viens de banlieue, j'habite à Épinay-sur-Seine, je suis toujours dans la même cité où j'ai grandi depuis toujours, donc pas les images, je cite RMC qui ont ici. Filmer la zone pavillonnaire, je savais même pas que c'était dans ma ville. bisous à eux. Qui dit cité, oui, dit forcément milieu difficile et tout, ou en tout cas milieu précaire. Et poids de la culture, poids de pourquoi tu vas aller voir le psy. Je le cite, c'est une problématique de blancs, de gens riches, de machin, oui, de gens dans qui la peuvent merde, se le permettre. Voilà, c'est ça. Stéréotype. Voilà. Exactement. Okay. Et en fait, petit à petit, moi, parce que j'ai dans mon entourage proche des personnes avec des problématiques auxquelles j'ai dû faire face très jeune, bien évidemment, parfois, on saigne sur les personnes qui n'ont pas mérité. Et comme on dit, c'est l'espèce de cycle, de passage générationnel. À un moment, il faut réussir à casser les choses, à briser les choses. Et arriver à l'été 2020, ma pote, on est au téléphone et elle me dit, mais Nora, et puis elle remet le sujet sur la table. Et je lui dis, donc quoi, tu me prends pour une balle tranquille et tout. J'étais encore très réactionnelle, donc c'était très facile. Je vais aller sur Doctolib et tu vas voir, je vais choisir une petite. Donc je passe, non, j'aime pas sa tête. Ok, elle, j'aime bien sa tête. J'ai rendez-vous après-demain, ok. Et s'en est suivie une psychothérapie que je suis maintenant depuis 4 ans. 4 ans, d'abord une fois par semaine, puis deux fois, puis une fois, puis des pauses, puis machin. Et aujourd'hui, effectivement, même si elle n'est pas. Elle a suivi des jeunes dans les crêpes et compagnie. Donc, c'est vrai que je pense qu'elle peut avoir une certaine vision du sport de haut niveau très jeune, où bien sûr, parfois, c'est pas forcément très... l'entourage, l'encadrement, il est assez... Voilà, tu sais, parfois, les jeunes, on les pousse pas dans une direction qu'ils souhaitent ou quoi. Avec moi, elle a une autre vision aussi. Le sport de combat, dans mon histoire, à quoi on peut le relier et compagnie. Ma volonté d'aller vers quelque chose plutôt qu'autre chose. Et en fait, oui, par rapport à cette gestion des émotions, on en parle beaucoup, parce que c'est vrai que ça peut être très volcanique, ça peut être au contraire, parfois, très absent, silencieux, tu vois. C'est vrai que par rapport à mes interviews, je suis parfois définie d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient être pris de court quand ils me voient dans la vie de tous les jours parce qu'ils me prennent juste... ils vont me croiser. Je vais être pas très éteinte, mais très... juste dans l'observation silencieuse, en fait, tu vois. Et en fait, effectivement, c'est important d'analyser tous tes états, pourquoi ils arrivent, à quel moment. Et je pense que dans la vie d'athlète, tu sais, comme je dis, plus tu te connais, plus tu peux être meilleur en tant qu'être humain, mais tu peux être meilleur et complet dans ton sport. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as des problématiques profondes ou en tout cas des conflits internes, pour moi, c'est très difficile d'exceller à plus haut niveau dans ce qui est ta passion ou vraiment tu veux atteindre un espèce de pic et aller vraiment très, très haut. Mais tu ne peux pas te passer d'aller vers certains éléments de résolution de toi en tant qu'être humain, en fait. C'est,
Et franchement, je le découvre, c'est parce que tu as quelque chose qui se passe et bien sûr, ça demande un travail et ça demande de pour en prendre conscience parce que bien évidemment, c'est ton inconscient, ton subconscient ou voilà, je ne sais pas lequel. Et d'accepter aussi, Nora, parce que bien sûr. De faire cette introspection, parce que je sais... Ah, mais c'est dur, hein. Pour, c'est un travail pour les sportifs hein. et même d'autres personnes. Accepter de faire une introspection ouais. et de ne pas cacher ou mettre de côté tous ces problèmes, ouais. tous ces traumatismes, c'est très compliqué. Ouais. Et ouais. donc, de réussir à faire ça aussi, mais c'est, voilà, comme tu dis, tu c'est sais, tout un travail. Tu as un premier travail quand tu sais que ça existe. Mais déjà, comme tu dis, il faut accepter ouais. de reconnaître que ça existe. Et une fois que tu reconnais que ça existe, tu as fait un premier pas. Maintenant, comme on dit, hein, quand tu reconnais un problème, tu as fait 50%, maintenant, c'est aller chercher la solution. Elle est parfois difficile et comme je dis, elle est caca. Tu rigoles, mais franchement, les gens ouais, qui veulent faire face à leurs problématiques, malheureusement, ça ne court pas les rues. Et comme je dis, hein, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le psy, ce soit une honte parce que aujourd'hui, tous nous, ici présents, ailleurs, on a tous besoin d'aller voir un psy, très honnêtement. Parfois, pas par rapport à nous, mais parfois aux personnes avec lesquelles on doit dealer. On est obligé dans la famille, dans machin. Pas de la drogue, hein, dealer. Oui. Dealer, moi, américain anglicisme. Je vais pas rappeler la drogue, monsieur, désolé. Oups. Quand je t'avais demandé, j'avais envoyé le message. Ah merde, mais et bon. Voilà, pas grave. Désolé. Et pour moi, celle-là. C'est une aparté. On mettra des bips à moins de 16. Hein, ouais, ouais, on n'est pas en direct. Ah si, moi. Ah, non, si. Ah, crotte alors. Si. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense que c'est hyper important de faire face à ça parce que ça permet de mieux vivre avec soi-même, mieux vivre avec les autres. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mon coach le dit aussi, Redouane, c'est... faut être un peu, j'ai encore utilisé un anglicisme, hein, mais fucked up pour ouais. faire un sport pareil. Mais tu vois... Justement, j'ai une question là-dessus parce qu'on en parle souvent avec Seb, mais même toi, je t'ai déjà entendu le dire, Seb, que pour rentrer dans une cage, il faut avoir des choses à régler avec soi-même ou à extérioriser mmh. ou une part de folie. Tous bien les sûr. Combattants qui sont ici nous l'ont dit. Est-ce que toi, tu arrives à pointer pourquoi en fait tu combats? Pourquoi tu ressens le besoin d'un, tu vois, pour moi qui suis extérieur au sport de combat, moi je suis passionné de sport de combat, mais je ne pratique pas. Donc c'est un peu énigmatique de comprendre pourquoi vous ressentez le besoin. Ouais. De rentrer dans une cage fermée bien sûr. Et de te mettre sur la gueule avec quelqu'un finalement que tu connais pas. Et tu vois, tout ce processus de le rapport à la douleur, pourquoi vous ressentez le besoin, entre des grandes guillemets, de vous infliger ça, tu vois. Alors, je me permets juste, moi... Moi, je veux bien t'entendre, Sèvres. J'ai l'impression d'être... J'ai 51 ans. J'ai fait mon 51 ans 51 ans, ouais. Tu déconnes ouais. Bah, Machallah, t'es venu chez moi. Il est fait. Machallah. 51 ans, j'ai arrêté mon dernier combat, j'avais 38 ans. Un demi-siècle. Ah ouais. Et je ne sais toujours... comme on dit, les sports de combat, tu ne viens pas par hasard. Sauf que tu fais du judo, du karaté, tu fais un... Ouais, ouais. Non, mais le MMA monter dans un ring ouais. ou dans une cage, ouais. moi, je n'ai pas eu la chance de combattre dans une cage. C'est mon époque, moi, avec Loïc, pour les championnats d'Europe. C'est non, mais le mouet, c'est pareil. Enfin, je le mouet, voilà. Aussi dans... Mais à mon âge, ayant suivi psychologue beaucoup de temps, beaucoup d'années, je ne sais toujours pas pourquoi... Ah ouais, ok. J'ai des idées, j'ai des pistes, j'ai travaillé dessus. Oui, parce que c'est pas anodin. C'est pas ah oui. du jour au lendemain, tu te dis pas, tiens, je vais... Mais encore à mon âge maintenant, je me dis, mais... J'ai des pistes, j'ai des idées, mais c'est tellement enfoui et que c'est pas encore sorti. Et j'ai 51 balais. Alors, je ne combats plus. J'évolue toujours dans les sports de combat, parce que je m'entraîne tous les jours. Et puis, d'être speaker, bah, tu vois des mecs tout, et des nanas se battre toute la journée. J'ai pas encore la réponse. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est pas venu par hasard. C'est tout. Ouais. De par l'enfance qu'on a eue, de par le milieu dans lequel tu évolues, ce qui a pu nous arriver, et puis ce qui a jalonné ta vie, parce qu'il n'y a pas que l'enfance, il y a aussi des étapes de vie, l'adolescence, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu commences à dire merde, c'est la pente descendante. On perd les cheveux, on perd tout. Enfin, après, c'est tout un... Mais bon, on n'en est pas encore là, Nora. Hein. Et c'est ce qui est... Et c'est ce qui c'est un moteur. Finalement encore, ouais. de ne pas savoir. C'est et j'ai un ah peu ouais. peur de découvrir pourquoi. Ouais. Donc, en fait, je ne suis pas pressé. Bah, c'est l'introspection, c'est ce qu'on parle. C'est ça, en fait. C'est marrant que tu dises que tu écrives. Ouais. J'ai une tonne de carnets.
Moi aussi, je suis une collectionneuse un petit peu trop compulsive. Et c'est des trucs, voilà, c'est nous, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais alors, tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis que tu as vu pendant des années des psys, est-ce que tu en as vu des différents ou toujours la même personne? Parce pour que trouver la bonne, ouais. Là, je remercie encore Madame Cohen, qui j'ai arrêté juste après le Covid. D'accord. Je veux dire, hein. Ouais. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Ça peut durer toute une vie, hein, donc il y a pas 12 ans, j'en ai vu pas mal, parce qu'à 12 ans, t'es pas réceptif. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même travail. Alors, moi, je suis d'une époque où, psychologue, ah, t'es malade, t'es fou, ah, c'est comme les psychiatres, vous êtes des fous. Bah voilà, exactement. Donc, ouais, t'en parles pas. C'est clair, parce que c'est tabou. Puis, à un moment, j'ai trouvé la bonne. Même quand je vivais, donc moi, je vis en Italie, après, je suis revenu en France, je revenais à Paris, j'allais la voir, elle. Elle m'a tellement aidé, je la remercierai jamais, jamais assez, ça, j'ai de la chair de poule quand j'en parle, ouais. Et on a arrêté avant le Covid uniquement parce que quand on va se dire au revoir, elle me dit « Bon, bon, tu me préviens pour le prochain rendez-vous. » Ouais, et là, t'as senti que… Elle m'a dit « Bon, on arrête. » Je dis « Bah pourquoi ? Je viens de te tutoyer. » Ah oui, ok. Rien que d'en parler, parce que ça m'a brisé le cœur, bah, vraiment. Bah ouais, non, c'est vrai. Parce ça m'a fait… j'ai dit « Mais je peux pas arrêter. » C'est vrai, c'est toujours très délicat. J'ai arrêté. Un peu, ouais, dépendant. J'ai arrêté, ouais. Ça me parce manque. Parce que la barrière, elle était franchie, en fait. Ça me manque. J'avais retrouvé un petit peu ça. Bon, je parle beaucoup de Jean-Marie Merchet, parce que Jean-Marie savait qu'il y a plein de choses dont il savait. Quand Jean-Marie a disparu, alors là, t'as l'impression de... Alors, j'ai plus ma psy, j'ai plus Jean-Marie. Ouais, t'as plus tes socles. Quoi, heureusement que bon, j'ai mes enfants, et ça, évidemment, c'est ciment. C'est autre chose. Et pourtant, voilà, j'ai pas de tabou d'en parler. Moi, même à 51 ans, j'avais plus rien à foutre. Ouais, rien à perdre. Mais voilà, j'ai pas de. Et je vois beaucoup chez les sportifs. Et là, c'est pour ça, Nora, ça me touche beaucoup ce qu'elle dit, parce que je pourrais, même, je pense, parler de Nora comme si on avait vécu ensemble, on se connaissait, ouais. Parce que je sens, il y a des trucs que ça se ressent, parce qu'il y a des trucs. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a ce truc, il y a ces sentiments, cette émotion. Qui est palpable, et voilà, c'est pour ça que moi ça me touche, et je sais que sa défaite l'a touché. C'est pour ça que le premier truc que j'ai envoyé, j'ai fait, c'est une petite défaite. C'est ça, mais moi, les grandes victoires vont arriver. Je trouve ça hyper intéressant d'en parler, la psychologie des athlètes, et même au-delà de ça, tu vois, la psychologie tout court. Parce que moi, tu vois, par exemple, pendant les Jeux, tu vois, là, on a reçu énormément d'athlètes, tu vois, et c'est des interviews très courtes. T'as pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, dans tu parles de leur père, de leur compète, de ce qui, les émotions, et voilà, tu vois. Et ben moi, ça m'a emmerdé un peu parfois, tu vois. J'ai kiffé, c'est un truc, mais genre, c'est vraiment le truc d'une vie, c'est un rêve. Mais moi, j'ai envie, quand j'ai un athlète en face de moi, ou même une personne, de comprendre ce qui se passe là, tu vois. Vraiment, et de. C'est un mécanisme psychique, clairement. Ouais, tu vois, et à la rigueur, les titres, le palmarès et tout. Ouais, c'est vrai. Je vais pas dire que je m'en fous, c'est énorme ce qu'ils font. Mais je comprends ce que tu veux. Mais je veux comprendre pourquoi ils ressentent le besoin de pratiquer ça. Qu'est-ce qu'il aurait... Enfin, tu vois, leur vie, les traumatismes. Alors, des fois, c'est un peu touchy. Et parfois, tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas à même d'en parler. Ou... C'est ce que j'allais te dire. Parce que parfois, tu peux... Tu vois, j'avais taquiné sur le vestiaire Nassourdine quand il a voulu vesquer le truc des émotions. Je dis non, c'est Flora, allez parler. Non, mais c'est ça. Je dis non, Nassourdine, je voudrais que tu te... Et tu vois, parce que je sens bien qu'on est sur quelque chose. Il l'a admis lui-même que c'est l'éducation, c'est culturel, c'est machin. Et que c'est dommage de rester dans ce carcan, tu vois, et de ne pas être en touche avec ça, tu vois. Et c'est marrant ce que tu as dit, ça, parce que je me demande si finalement, quand tu dis... Je n'ai pas encore trouvé la raison et c'est peut-être ça qui fait que tu vois, tu peux encore te dépasser ou quoi, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que tu as peur de faire face à la raison, au moteur de pourquoi de tout ça, ou qu'est-ce qui vraiment te... parce que c'est quelque chose qui... Ne pas savoir et chercher cette cause est quelque chose qui va continuer à te dynamiser sur les longues années qui te restent à faire. Regarde, Sam. Non, mais continuez parce que c'est ça. Hein. C'est ça. Est-ce que t'as 50 balles juste par contre? Alors, il n'y a pas de caramel dans le stylo là, s'il te plaît. Je vais faire semblant. Ou sinon, Nora, viens là et Seb, allonge-toi dans le canapé. Exactement. La... Non, mais vas-y, faites ma vie, c'est ça. Allez, voilà. On va faire comme alors. Ça. Alors. Voilà. Nora, c'est j'étais pas comme ça, moi. C'est le fantasme. Tu vois, le fantasme du. J'ai ouvert au hasard. J'avais besoin de prendre mon temps. Visionnaire. Mais ta question, elle est... J'ai la trouille. Ouais, mais c'est ça ma question. Mais c'est j'ai la trouille et c'est très paradoxal parce que j'ai envie de comprendre, mais j'ai la trouille d'être face à beaucoup de vérités, des trucs que j'ai occultés, mais ça me fait avancer
un jour, je vais savoir pourquoi. Ouais. Ça me fait... C'est mon leitmotiv. Je me lève le matin, c'est mon leitmotiv. Mmh. Et ce qui est très paradoxal, c'est que... Une fois que je vais le savoir, en fait, mais c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais l'encaisser ? Ouais. Comment je vais vivre avec ? Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont remonter. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface. C'est paradoxal. Et ce paradoxe, maintenant, j'ai appris à vivre avec. Mais des fois, il y a des coups de mou. Tu fais putain, ça fout la trouille. Ah oui, même un 50e à balai. Ouais, on a vécu, on s'est mis sur la gueule, on a vécu des trucs de malade. Mais ça, c'est la vraie peur. Monter dans un ring, t'as le trouillomètre à zéro. Moi, j'ai toujours eu peur en montée. Mais ça, il n'y a rien ne me fait peur plus autant que ça. Rien. Ouais. Ça, oui. J'ai la trouille de savoir pourquoi. Donc, je cherche quand même, mais... Mais pas trop, quoi. Voilà. Un pas en avant, un pas en arrière. Et puis, ça se trouve, je me fourvoie. Ça se trouve, je vais bien encaisser. Ça sera... Bien sûr. C'est tout. Ah, c'est ça. Mais voilà. Justement, tu Bon, parce que... Salut, merci à tous. C'est toi qui c'était ta question. C'est vrai, c'est moi, c'était plus, ta c'est question. Est-ce que tu penses que du coup il y a... Je peux poser le livre de Martin Fourcade. Ce sera un dernier tour de piste. franchement, merci Martin. Je sais pas où t'es, mais j'ai pris ton livre au hasard. Attends, hein, frérot. Une question assez, mais après Nora, tu répondras quand même aussi sur le. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ma question initiale c'était ça. Est-ce que c'est Nora, tu sais pourquoi tu dois rentrer dans une cage et combattre? Pourquoi tu. Tu vois, tu t'infliges. Prends ton temps, il a dit. Je sais pas ce qu'il pense. Je me fous aussi sur le canapé allongé, moi. Exactement. Moi aussi, j'ai le droit à mon introspection. Exactement. Pourquoi, tu là? Tu vas y passer après, y a pas de souci. C'est pas comme chez mon partenaire dans une bulle de flottaison, mais on est sur un canapé. On va changer tout le concept d'animation. C'est Nora. C'est la psycho-Nora. Psycho-Nora. Non, mais, juste dernière question et je vais bien te répondre. Sûr, mais c'est vraiment, je me demande, est-ce que tu penses qu'une fois la réponse à cette question établie, genre, tu vois ça comme une fin en soi? Parce que toi-même, tu te dis, il y a le dilemme de je la trouille, mais en fait, non, peut-être que pas du tout, je vais bien encaisser, ça m'aide à avancer encore plus. Finalement, qu'est-ce qui te retient? Est-ce que tu as quand même cette peur qui est trop grande de si je réponds, c'est une fin en soi et j'ai peur de me trouver totalement désarmé et démuni et de j'ai la réponse, c'est la fin du jeu? Non, parce que. Finalement, ne pas, même si je n'ai pas encore les réponses, il y a de très grosses pistes. Je suis là, je vis bien, je suis bien. Bah, c'est ça le truc. Donc je me dis, oui, il y a une souffrance intérieure qui de toute façon sera toujours là, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Mes enfants sont là, ils sont en bonne santé. Je suis bien entouré, j'ai des amis. Donc finalement, c'est tout le paradoxe d'une psychothérapie. Pourquoi ? C'est de vouloir savoir et finalement, des fois, te dire oui, mais peut-être pas trop vite. Bah oui, parce que finalement, c'est toujours ça. Je vais bien. Alors, on se persuade des fois d'aller bien. Bien sûr. On a tous, mais ça, c'est l'autre quotidien de tout le monde. Mais voilà, par contre, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu. Honnêtement, sans une psychothérapie, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Mais ça m'a été le mot bien, il est tellement faible par rapport à ce que je ressens vis-à-vis de cette psychothérapie qui a duré des années. Allez-y. Et moi, je le conseille à tout le monde. Et même Cyril Diabaté, on en a parlé avec Cyril. Ouais, je pense Cyril que a eu le même c'est discours. Quelqu'un qui est très entouré. Pas si on récalcitrant, c'est vrai. Hein. Regarde. Oh, merci. Bien joué, Julien Perronnet, la régie. Oh là là. Mais tu vois, Cyril, on a le même âge avec Cyril, on est de la même génération, il a la même chose. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on l'a eu, Cyril Diabaté, et lui, c'est encore des plaies très ouvertes. Voilà, hein, c'est encore autre chose. Et ça se ressent quand il parle. Ouais. Tu mets du sel dessus, ça brûle, quoi. C'est et tu le sens quand il parle, en fait. C'est clair. Mais. Reviens, c'est toi, là. Oui, je fais de toi, là. Il y a toi de répondre, tiens, maintenant. Maintenant, explique-nous pourquoi. Est-ce que tu sais déjà pourquoi tu as ce besoin de combattre, de rentrer dans une cage et de repartir, même quand tu vois, il y a des défaites ou des coups durs, ou tu repars à chaque fois? Alors, tu vois, ça, c'est très paradoxal, en fait, parce que y a tellement plein d'éléments qui me viennent quand tu me poses cette question. Ouais. Et en fait, je pense à Denis qui m'avait posé cette question pour son média aussi. Et je lui dis, bon, là, on rentre sur des trucs perso. C'est la même question. Non, même pas, parce que c'est quand même un peu différent la manière dont tu l'amènes, en fait. Parce qu'il y a cette question du revenir, il y a cette question de. Non, mais c'est vrai. Et j'ai pas. J'étais là, ouais, peut-être qu'on rentre sur quelque chose de perso, mais finalement, pourquoi perso? Parce que finalement, quand je vais à la rencontre sur des plateaux, je suis très ouverte sur certains sujets, parce que je pense que, comme je dis, je fais ma passion et tout, et j'ai réalisé que ce que je fais, pour moi, parfois je comprends pas les gens qui soient assis, et je me dis, Nora, t'inspires des gens et tout, et c'est vrai que je me rends pas tout de suite compte, je me dis, si ma mission, elle peut aller au-delà, et que je peux vraiment
éveiller des consciences sur certaines choses, parler à des gens sur, tu vois, réveiller quelque chose où ils n'ont jamais osé ou quoi. Ouais. Et bah, c'est pour ça que oui, je peux répondre à ta question. Il y a cette chose où j'ai eu des traumas pendant mon enfance, bien évidemment, certains plus graves que d'autres, que je ne vais pas forcément aborder. Mais voilà, j'ai toujours été très bagarreuse quand j'étais gosse, en fait. Et jusqu'à tard, comme je dis, jusqu'à ce que je me prenne la première pêche un petit peu trop forte au collège. Et tu te dis, ah ouais, en fait, les garçons, c'est fort un peu quand même. Hein, ça suffit plus trop. Et tu te dis pourquoi autant d'énergie à pourquoi vouloir tu vois la ne pas savoir la canaliser et quand elle sort c'est aussi violent aussi percutant et tout. Bien entendu, je pense que c'est beaucoup relié au cocon, même si je l'appelle pas comme ça, bien sûr, tout l'amour du monde à mes parents et on peut dire ce qu'on veut de ses parents, mais il faut toujours, je pense, pardonner ses parents parce qu'ils ont fait avec les armes qu'ils avaient sur le moment et avec les clés qu'ils avaient sur le moment, mais bien sûr, tout n'était pas parfait et je pense qu'il y a quelque chose c'est ma psy qui m'a amené là-dessus, donc c'est très très personnel, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à mes origines, par rapport à ma mère, donc n'en déplaise à certains, oui, je porte les deux drapeaux et oui, je suis en France et je suis française, mais mon ADN le prouve, je suis à 50% algérienne et c'est ainsi, donc je porte fièrement ces couleurs et non, je ne vais pas au bled 15 jours par an pour tout vous dire, je n'y ai jamais été en fait, à chaque fois ma mère a choisi des périodes pour y aller avec mon frère où je ne pouvais pas, il y avait l'école, truc, et pour moi aujourd'hui, si je vais en Algérie, je ne veux pas que ce soit simplement un voyage séjour comme ça, bah c'est cool, j'ai vu les chefs dans les arbres et tout, non, je veux vraiment que ce soit de l'ordre du voyage initiatique où j'embrasse totalement cette part de mes racines et de mes origines, où je vais à une rencontre profonde, pas en superficie. Donc non, ce sera pas un voyage d'une semaine, je vais partir un mois, deux mois, et ce sera toujours pas assez pour connaître en fait tout ce qui remplit en fait mon être et de choses que j'ignore, que peut-être seules mes cellules savent. Oui, ça fait très perché, très hippie, mais je l'assume totalement. Non, mais t'as prévu d'y aller sur un court, moyen, long terme J'aimerais bien, c'est vraiment, en fait, j'essaye de voir comment, de quelle manière, je sais que ça peut être très compliqué pour ma mère, je sais que par rapport à la famille, il y a un peu de déconnexion d'un côté, mais une forte connexion de l'autre, par rapport aux filiations et tout, je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment se faire, donc j'espère vraiment sur un moyen terme, très honnêtement, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'en 2025, ça se fasse, tu vois, j'aimerais vraiment beaucoup, parce que là, je sens que ça brûle encore plus, tu vois, mais voilà, pour revenir à ta question principale, je pense que cette combativité, elle naît d'ailleurs. Je pense que pendant un temps, il y a beaucoup eu une très mauvaise utilisation de mon sport. Ouais. Ça reste un sport violent, donc un sport pour être à... Bah ouais, au contact de la douleur, en fait. On va se dire les choses comme elles sont. Tu existes parce que tu ressens. Tu existes parce que tu ressens la douleur, en fait. Et c'est marrant parce que tu penses que bah, le cerveau a souvent été orienté sur... ouais, bah, ça fait mal, donc je sens, j'existe. Mais tu peux ressentir aussi par la douceur, pas que par la douleur, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends encore à l'aube de mes 35 ans, tu vois. C'est assez compliqué. Mais très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je suis très contente. Et je pense que, tu vois, je peux parler de ça librement parce que maintenant, je suis très en phase. Ce n'est pas des points sur lesquels je suis attaquable. Parce que, en fait, quand tu commences à être en phase avec ton identité, et j'adore cette décennie de 30 à 40, tu découvres mais tellement de choses. C'est tellement incroyable. Tu crois tout connaître à 20 piges alors que t'es qu'un petit coin qui découvre la vie. Profite parce que celle de 50. Quand t'as 60, elle est dure à encaisser, je peux te dire. On croit tout savoir, moi, on est juste des vieux cons. Alors, on ne sait pas plus que... Tu peux être comme ça, mais tu peux aussi être dans... Moi, c'est vraiment comme le vin pour moi. C'est vraiment, tu prends couche, tu prends matière, d'esprit, et je pense que tu ne fais que développer et que tu ne vas que dans le sens que tu as choisi, en fait. Il faut vouloir. C'est ça, exactement. C'est vraiment quelque chose du vouloir. Être au contact de jeunes comme moi pour ne pas devenir un vieux con. Aussi, mais moi, c'est grâce à ça. C'est un vieux con, Julien. Être au courant des dernières... Ouais, voilà, une saison d'émission, il sait pas mon prénom. Après ça, voilà. Comment tu ferais tes trends TikTok sans... voilà. Je suis pas sur TikTok. Moi non, j'ai sur Instagram, c'est déjà... Facebook, les trucs de fou. Facebook. C'est vieux, c'est ma génération. Instagram, ça suffit. Voilà. Oh là là. Les amis, en tout cas. On clôt le rendez-vous psy, c'était hyper intéressant. Ouais, non, vraiment. C'est vrai. Et on va enchaîner avec une rubrique qu'on adore. Toujours. Le face-off. Allez, c'est parti.
Alors, le face-off, Nora, très simple. On va te passer des images de combattants, combattantes, personnalités. Tu vas voir, il y a un peu de tout. Et tu vas t'adresser directement à ces personnes-là. Ah, je vais m'afficher. Nous, on n'existe plus, d'ailleurs. Et si je les reconnais pas, il ne faut pas que les gens y sachent. Non, 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 tu vas les reconnaître. Et t'inquiète, moi, je les ai. Ouais. Donc, on va les passer. Est-ce que si quelqu'un de la régie, Julien Perronnet ou autre, peut venir nous rallumer la télé qui est juste en face de nous, ça serait parfait. Je sais que vous êtes génial en régie, donc voilà. Si vous avez cette possibilité. J'étais trop long sur la rubrique psy, je pense. Donc voilà, on va te passer différentes photos et tu t'adresses directement. Nous, on n'existe plus, tu parles à Manon Fiorot en l'occurrence. Waouh, je parle à Manon Fiorot. Mais c'est de quel ordre du coup, par exemple, salut Manon, j'espère que tu vas bien, j'espère un j'espère jour que faire ça un sparring avec toi. J'en sais rien. Le soleil. écoute, Manon, l'actualité en fait, j'ai hâte de l'avoir contre Valentina. Parle à elle, hein. C'est, nous on n'existe plus. D'accord, Manon, bravo, normalement tu es supposé accéder au title shot maintenant. Valentina, je voulais l'avoir gagnée contre Grasso, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que tu peux proposer face à Valentina, qui est une personne que je vois évoluer depuis 2015 à l'IFMA, qui était la terreur des rings, qui était la terreur dans sa catégorie très longtemps, qui l'est toujours à mon sens. Et j'ai très hâte de voir ce combat. J'ai très hâte d'arriver au sommet de ma catégorie et réaliser le rêve journalistique d'Alexandre Herbinet et de faire la championne des 57 contre la championne des 61. Hey. Ce serait intéressant. Magnifique. T'as déjà tourné avec elle ou pas? T'as déjà fait quelques sparring et tout? T'aimerais bien? Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait carrément être intéressant. Allez, la prochaine personne que tu connais très, très, très bien. Je le sens. Alors, pas voilà. Mon coup d'amour. On a choisi une belle photo, ça le met à son avantage. C'est le profil le plus. Désolé, ah, Johnny. Le pauvre, quoi. Ton coach à l'US Métro. Le nombre de photos que. Non, mais là, c'est la. Vous... Ah, mais c'est la mieux qu'on a trouvée. Ah, ben, on l'a cherché pourtant. C'est très bien, d'accord. Alors, vas-y, adresse-toi à Johnny. Johnny Frachet, merci de m'avoir accueilli dans ta belle équipe il y a de ça bientôt un an. Merci d'être le coach et l'être humain incroyable que tu es. J'essaie de pas pleurer, ça je te dis. Et merci pour tout ce que tu mets en place pour que je sois la meilleure athlète qui soit au quotidien et de m'accompagner dans chacune de ces étapes. Et on ira jusqu'au bout du jeu, on se l'est promis, on met tout en place pour. Merci d'être un être humain, un ami disponible. Merci de faire partie de ma vie. Et on sait que c'est pas facile d'être coach et je sais que tu as tenté un petit peu l'expérience quand tu étais dans le coin avec Marie Loiseau pour un combat au PFL. Tu te verrais, toi, un jour, par exemple, coacher Nora, où c'est pas du tout quelque chose que tu aimerais faire? La petite anecdote sur Marie Loiseau, c'est que... Oui, bah oui, ça a été ton adversaire, bien sûr. C'est énorme de passer d'adversaire à être dans son coin. Ça, c'est et c'est ça qui était fort. GFA à Nîmes, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et t'as kiffé l'expérience d'être dans un coin comme ça Franchement, ouais. Je vais te dire, tu sais... J'avais commencé des coachings, j'avais du mal à me lancer. C'était au labo, là où un lieu qui m'était très cher, la salle de mon préparateur physique. Et j'ai dit, ouais, c'est pas pour moi et compagnie, en fait, d'être au contact de personnes qui vraiment, tu vois évoluer, mais c'est incroyable, genre cours après cours, semaine après semaine, incroyable. Et du coup, c'est vraiment ça, et de voir les gens kiffer vraiment la culture et l'art du Muay Thai, tout ça, tu vois, qui sont pas là juste pour se défouler, aller dans ces salles, là, je sais plus comment on appelle, ils tapent dans les sacs, laissez-moi tranquille. Ouais, ils ont compris que j'étais une amoureuse de la technique, et en fait, c'est marrant que tu me dises ça, mais j'y pensais hier, et je me disais, ah, j'ai envie de reprendre. Et j'ai envie de me faire ce kiff, ouais, d'emmener des gens en compétition, mais de gens forcément avec la même mentalité que moi. Je veux dire qu'ils sont pas là, qui ressemblent. Ouais, des combattants et des combattantes. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, on n'est pas là à lâcher l'affaire au moindre truc. Bien sûr qu'on a des downs en tant que combattant, et bien sûr c'est là qu'on a besoin de son entourage pour se remotiver et tout. Et bien sûr que je veux être là pour ça. Mais ouais, pour revenir avec Marie, c'était très fort. J'étais très stressée. Elle avait tellement toutes les cartes pour gagner et compagnie. Après voilà, tout comme moi samedi, on a toujours des moments un peu off, un peu où on passe à côté du rendez-vous. Malheureusement, ça a été son cas parce qu'elle aurait vraiment pu passer cette Italienne qui proposait pas grand-chose. Et
Tu vois, j'allais dire K au niveau, parce que c'est vraiment, c'était un gros rendez-vous, le PFL et tout. Mais finalement, tu vois, emmener des gens qui sont là, qui kiffent. Là, je parle du mouet, bien évidemment. Le mouet en mode, ah là là, je suis prise d'être à mon prochain combat, à la prochaine compète, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et sentir le cœur vibrer de la personne et l'accompagner dans son espèce d'accomplissement. Oui, non, d'accomplissement, c'est nouveau dans le dictionnaire. C'est un nouveau mot. D'accomplissement pour aplatir quelqu'un. Voilà. T'étais dans le désordre, mais t'as tout remis dans l'ordre. C'est nickel. Non, mais ouais, ça peut être grave un kiff. C'est des aventures humaines incroyables parce que je le redis avant tout ça. Franchement, je fais mon sport pour des moments, pour ces moments humains qui sont incroyables. C'est pas quelque chose que tu peux faire tout seul. C'est pas, tu vois, c'est pas anodin ce que tu dis. Finalement, victoire ou défaite, qu'est-ce que tu retiens? C'est les moments passés avec les autres. Ouais. Oui, sur le moment, la défaite, elle fait mal. Oui, sur le moment, la victoire, c'est une explosivité incroyable de joie. Mais il y a tellement de choses autour. Il y a tellement de choses autour. Quand tu en reparleras dans 15 ou 20 piges, mais grave. La défaite et la victoire, tu n'en souviendras même plus. Par contre, les moments que tu as passés, et là, tu parles de ce côté, oh, je l'ai coaché, c'était incroyable. Ouais. La défaite, à la limite, c'est anecdotique. Ouais, c'est ça, et c'est je pense ça. Que même Marie... Sa défaite, ok, ouais. Mais finalement, elle va retenir quoi? Oh, j'avais le droit de me faire un post sur les réseaux voilà, en mentionnant presque que ça. Enfin, toi, tu avais fait un post, où elle te dit que c'était une aventure incroyable. Et c'est ça qu'on retient. Il y a une histoire en plus. Donc, tu construis des moments humains, dans le sport, victoire, défaite, après, c'est anecdotique. Franchement. Prochaine photo, lui, il est humain, mais parfois, il sait couper des têtes. Dana White, le boss de l'UFC. C'est mon patron, je dois dire que des bonnes choses à la tête. Bonjour Dana, ça va bien? Je sèche un peu. T'as déjà eu l'occasion de parler avec lui ou pas? Jamais. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont rencontré à leur premier fight, Oumar ou je sais pas, peut-être Kevin, enfin je sais plus. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de croiser ce monsieur. Je sais pas, Dana, intéresse-toi plus à l'être humain. Ah oui, on est des combattants, on mérite. Bon après voilà, je sais que tu fais marcher un gros business. Il faut faire rentrer les sous, c'est de l'entertainment, grosse entreprise américaine. Bon, mais Dana. Prends moi, j'arrive. Dana, regarde-moi. Dana, je vais rentrer sur Dana. Non, mais tu vois, moi, c'est ce qui me gêne un peu avec l'UFC. Je me dis qu'ils mettent beaucoup plus en avant la spectacularité que la manière. Tu vois, par exemple, un Taylor Lapillus, il te fait des combats à chaque fois. Mais ils le disent, commentateurs d'RMC, c'est monsieur propre. Tu vois, il te fait des trucs, techniquement, c'est incroyable. Mais le gars finit pas ses combats, il gagne pas par KO, c'est pas très spectaculaire. Et du coup, c'est difficile de monter. Et je trouve ça dommage dans une organisation comme ça. Après, comme tu l'as dit, c'est le business, c'est une entreprise, il faut du highlight, tu vois. J'ai des mecs qui m'ont dit « Ouais, mais Taylor Lapillus, il est chiant quand il combat. » Je fais « Mais les gars, alors déjà, pour sortir un truc pareil, c'est que tu ne connais pas le sport. » Ce mec-là, déjà, doit être en main card. Taylor Lapillus doit être en main card. C'est vrai que je comprends pas ce qu'il faut. Et il y a des mecs, à des Américains... Pour le coup, qui sont super chiants à regarder, ils sont en main card, mais parce que, encore une fois, c'est une société. C'est ça. C'est du business. Quand tu combats à l'UFC. On pensait qu'on est des produits, et puis, ils agencent ça comme ils veulent, et t'as le drapeau américain, forcément, c'était un peu plus. Mais du coup, quand tu combats à l'UFC, t'as cette petite pression de te dire, je suis dans une organisation où, si je veux monter, il faut que je sois spectaculaire. Tu vois, avant le combat, est-ce que ça peut te mettre une. Franchement, et c'est vrai que c'est marrant, j'allais l'aborder plus tôt, mais c'est une chose à laquelle j'ai pensé où je me suis dit, putain, j'ai merdé samedi. Ouais. J'ai merdé samedi parce que. Il te reste un combat, là, dans le. Il me reste un contrat, combat, ouais. Il me reste un combat, et ça m'a donné chaud. En fait, quand on me dit, on te reste combien de combats? Il me reste un combat. Et je repense à ma prestation de samedi, je dis, j'ai merdé. Et en fait, c'est ça aussi qui tourne, tu vois, quand je commence à être en down. Et je pense à ça et ça tape dans le cerveau et je me dis putain si je me fais cut c'est chaud là j'ai vraiment tu vois là la prochaine c'est ma vie que je dois jouer tu vois et tu vois c'est marrant parce que c'est ce que j'allais dire sur les gens c'est voilà après le mois d'avril on m'encense je suis la plus belle je suis la plus forte du monde parce que Melissa Moulins qui est une super combattante hyper coriace je te la mets KO au deuxième round et malgré même aussi ma première victoire à l'UFC Paris et compagnie. Et là, tu vois, je veux dire, je suis un fight où je ne suis pas du tout ridicule, où je le redis, tu sais, c'est serré. Et pourtant, tu as le gros doute, en fait. Et c'est vrai que le spectacle est super important pour eux. Parce que j'ai su à quel point ils étaient contents après le KO à l'UFC. Et là,
J'ai eu l'écho. Ouais, on en attend plus de Nora. J'étais en mode... Oups. C'est quand même chiant d'avoir cette... C'est flatteur. Oui, non, mais c'est flatteur. Oui, ça, non, ça bien, veut sûr, dire bien sûr. Mais je trouve ça dommage. Ils connaissent ta valeur. Ils savent mon niveau, ouais. Tu vois. Donc ça me rassure de fou. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, non, bien après, sûr. C'est dommage. Et après, on passera sur toutes les autres personnes que tu t'adresseras. Mais c'est dommage de commencer des combats en ayant cette boule au ventre, en disant « il faut que je le finisse », alors que tu... Enfin... C'est un sport hyper complet, le MMA. T'es pas obligé de finir tes combats. Tu peux impressionner, comme l'a fait la Pilus, sur 3 rounds. Tu gères à la perfection, techniquement, c'est magnifique. Je m'excuse, hein. Tu vois, je prendrais pas de plaisir à regarder. Hein. Mais après, ça, c'est personnel. Ouais. Et il finit ça, c'est en fait, c'est peut-être que le problème, c'est qu'on est en train de basculer dans une ère où le MMA est hyper mainstream, où c'est une machine à highlight, où les gens s'intéressent au MMA, mais ne connaissent pas vraiment. Et du coup, il faut les satisfaire, tous ces gens-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des highlights, c'est des trucs sur les réseaux, c'est des chaos. Et est-ce que le changement de règles qui va intervenir n'arrive pas justement à point nommé pour des organisations comme l'UFC, où là tu vas pouvoir striker, tu vois, le coup de midi 6 heures, enfin. Donc il y a eu. Bah forcément. Alors, faire le placer. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Parce que en même pas un jour, là, moi je suis un spécialiste de mettre un coup de. À l'inverse, combien mais déjà, un vrai socle. Pour celui-là. Ah, j'avais vous voulez voir d'ailleurs. Si vous voulez voir les deux évolutions là, réglementaires qui vont prendre. Là, en novembre, je crois. C'est novembre, alors. Peut-être ça, à l'international. Tout de suite. Ouais, mais à l'UFC, du coup, ça va s'appliquer. Vous allez sur l'Instagram de Loïc Porra qu'on a reçu. Loïc Porra, l'arbitre à l'UFC. Qui l'ont remis aussi sur leur story. Et voilà, c'est bien, c'est très bien. Très bien, Lolo, explique très bien. Allez, on enchaîne, tiens, avec les quatre dernières personnes. Dit, j'allais quand même revenir. Oui. Ah, pardon. Oh non, vous me l'avez mis avec le maillot des Nuggets. Son beau sourire. Mais non. Changez le t-shirt, s'il vous plaît. Les Sixers. Alors moi, j'irais même plus loin. Université de Georgetown. Ah ouais, voilà. Non mais les Sixers. Elle est où ça? Oui, parce que alors on précise, Nora, tu ton premier sport ça a été le basket et Allen Iverson c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup. Donc si imaginons il se trouvait en face de toi à ma place par exemple, je sais que t'aurais préféré, mais je suis là. Voilà, Lucien, je t'aime bien. Mais voilà. Qu'est-ce que tu aurais dit à Allen? Qu'est-ce que j'aurais dit à Allen? J'aurais dit à Allen à quel point il est incroyable et pareil, peu importe comment sa vie se passe aujourd'hui, déjà, rien que sur ce point, qu'il tire le meilleur de sa vie, il a déjà fait une très grosse carrière, une très belle carrière, il a un petit peu dit aux naysayers, aux gens qui étaient un peu contre lui et tout, d'aller, il leur a montré avec la manière qu'il pouvait aller se faire voir ailleurs. Il a une carrière incroyable. Il est vraiment une inspiration. Je l'aime beaucoup. Autant je regardais pas genre la NBA à fond et tout, autant lui je le suivais grave en fait. Mais surtout, voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, après, George Chan, ça marchait aussi, mais Sixers, ça me va. Et vous savez, j'ai une anecdote, en fait. J'ai une anecdote et je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a Taylor, mon amie des États-Unis, qui venait me voir pour mon combat à Vegas. Donc, elle volait de Dulles, donc l'aéroport de Washington, pour venir à Vegas. Elle avait fait une escale. Oh, sans déconner, il est dans son deuxième avion à Vegas, 3 rangs derrière elle. Oh, j'étais comme ça quand elle m'a raconté. J'ai dit, mais non, mais pourquoi tu l'as pas ramené à l'hôtel? Pourquoi tu l'as pas dit qu'il y a une combattante? Tu l'accroches, tu ne lâches plus. Et genre, mais vraiment, non. Donc incroyable. Allen, s'il te plaît, viens voir mon prochain combat à Las Vegas. Viens voir mon prochain combat n'importe où aux États-Unis. C'est... comment je peux t'acheter? Je te partagerai pas ma chaîne, je suis pas assez payée. Mais promis, je t'invite au Starbucks et on aura une super discussion et ce sera trop bien. Un joueur incroyable. Ouais. Moi, je sais que ce joueur-là, je l'aime, mais en même temps, je le déteste parce que c'est ce genre de joueur-là qui, moi, tu sais, je suis très petit, hein, forcément. Bon, là, pas très petit. Bah, je fais 1m68. Bah, il est pas très grand. Ouais, pas très grand. Et Allen Iverson était très petit aussi. Oui. Du coup, ce genre de joueur, à chaque fois, je me disais, je peux le faire. Allez, en NBA, tu vois. Je me souviens pas de sa taille. Ouais, mais il est pas grand. Qu'il est dans les 1,75, non? Ouais, 73, mais tu vois. 1,75, ouais. Voilà, donc, il y a eu plus petit, il y a eu Spud Webb, il y a eu Muggsy Bogues. Mais hyper. 1,83, quand même, tu vois. 1,83. Ouais, mais ça reste petit quand même pour la NBA. Du coup, je me suis toujours dit, je vais pouvoir un jour, quand j'étais gosse, intégrer peut-être la NBA, je suis petit. Puis à un moment, j'ai compris que c'était pas forcément la taille, en fait, c'était surtout le niveau de jeu. Ce sera un peu trop simple du coup. Malheureusement. J'aurais tendu le WNBA. Basket, Georgetown. Mais je sais pas s'il kiffe le MMA, Iverson.
Bah, comme tout Américain qui se respecte, je pense. J'ai envie de dire. Sauf qu'il regarde occasionnellement le samedi quand il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Bah, merci bien. Nora, allez, les deux dernières personnes. Ah ouais, vous êtes chaud. Ton papa. Je dois le rappeler. En plus. On a coupé une conversation quand j'étais en train de manger. Eh ben, prolonge-la. Ouh, ah, vous êtes chaud. Je suppose que ça a été aussi une des premières sources d'inspiration. Ton papa, c'est toujours... Ah là là, mon papa. Ouais. Bah, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, on va pas se mentir. Hein. C'est marrant. C'est la photo au championnat d'Europe quand il était venu me voir à Paris. Il y avait on t'a croppé. Désolé. Ouais, vous êtes croppé. Salement. Voilà. Mais c'est bien, c'est mon papa la star. C'est bien, il y a tout sur ce tableau. C'est, oui, sur y a, sur voilà, il y a tout. Tu vois. Non, mon papa, merci. Mon papa, je t'aime. Mon papa, merci pour tout. Sans mon papa, je serais pas là. Hein. C'est compliqué la vie de combattante et surtout sur le plan des finances. Et c'est vrai qu'il vient d'une époque où, pour montrer son amour, faut soutenir un petit peu sur ce plan. Et c'est vrai que j'ai été dans des galères pas possibles. Et au moment de ces galères, il aurait fallu que j'abandonne les entraînements et que j'aille cravacher pour remplir le compte, pour pouvoir survivre, quoi, tu vois. Et mon papa, il était là pour le backup à des moments clés où j'aurais raté des moments, des rendez-vous importants de ma carrière s'il n'avait pas été là. Mon papa, il a le 12 septembre, il a fait 81 ans et que Dieu me le prête encore longtemps sur cette terre, parce que on a eu une histoire compliquée, hein, jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, j'ai commencé à vivre seulement avec lui jusqu'à mes 24. Et d'ailleurs, je vais le voir ce week-end, j'espère. C'est très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il ne vit pas à côté. Mais papa, merci pour tout. Papa, je t'aime. Et papa, j'irai au bout du game. En plus, c'est magnifique parce qu'il me semble que tes parents étaient un peu réfractaires au début au fait qu'ils passent des sports de combat. Et là, de le voir compliqué avec toi sur des photos, en fait, il va te voir à tes combats, c'est ça, quand il peut, il essaye d'aller te voir, de te soutenir. Donc, c'est beau de voir cette évolution aussi. Ouais, c'est ça. J'espère que pour les UFC, il n'a pas pu. Ouais. En fait, il ne m'a toujours pas vu dans une cage. Et quand c'est rigolo, hein, quand je lui ai dit « Papa, je suis du MMA, maintenant, je ne fais plus du Muay Thai. » Il m'a dit « Du quoi ?» C'est du MMA, tu sais. Alors, au début, c'est marrant parce que mon père regarde beaucoup le catch. Il adore ça. Ouais. Il a cru que tu étais parti dans le catch. Il me dit... Il me dit, c'est le sport dans la cage, là ? J'ai dit, ouais, c'est le sport dans la cage. Et tu vois, j'essaye de ne pas pousser le truc. Je lui dis, mais t'inquiète, hein, c'est un peu comme ce que je faisais dans le ring. C'est juste que c'est une cage, c'est fermé. Là, tu ne peux pas passer par-dessus les cordes, hein, mais t'inquiète, c'est nickel, ça se passe bien. Et un jour, il me dit, oh, bah, tu sais, il y a une fille maintenant, elle faisait comme toi, là, elle est au catch. On parlait de Ronda Rousey. Il me dit, Ronda, je ne sais pas. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? En fait, franchement, le truc super chaud, et que Dieu lui prête vie longtemps, ce serait que j'arrive à faire ma super carrière en MMA, et que derrière, troisième carrière, j'ai le catch pour que mon daron à ses 98 ans soit en mode « Mais ma vie, elle fait du catch !» Tiens, par-dessus la troisième carte. Ce serait magnifique. Et la dernière personne que tu connais bien, ou pas peut-être, tu vas nous le dire, à quel point tu en es. Bon, ça va, c'est pas quelqu'un de ma famille. Ah, elle. Ah, mais dis donc, c'est pas mal, toi. Tu fous là ? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est marrant. Peut-être que j'aurais même plus de choses à dire si cette personne en face, elle avait, je sais pas, 15 ans de moins, même 10 ans de moins, pour le fameux message à faire passer à ta version antérieure et tout. Ah, Nora, continue à te diriger vers la femme que tu aspires à être, que tu aspires à devenir, et continue à croire en toi, à défier tes challenges de la vie, pense à être bienveillante envers toi-même quand même, et à te faire tes propres câlins, et continue d'avancer tout droit sans regarder ce qui se passe sur les côtés, parce que tu sais où tu vas.
Évidemment. Non, mais en tout cas, Nora, c'est, je le redis, mais c'est un plaisir de t'avoir parce que la discussion est super fluide. Ouais. On se marre en même temps. Non, mais c'est cool oui, de pouvoir. Beaucoup, les gens non, mais c'est super de pouvoir, tu vois, en même temps aborder des sujets un peu intimistes et ouais. rentrer dans, en profondeur dans les choses et en même temps pouvoir déconner. Donc, on va continuer à déconner parce qu'on aime bah ça ouais, aussi ici. Alors, chialer, c'est n'importe quoi cette émission. Je me casse. Non, mais. Quatre questions. Dans deux secondes, il y a mon père qui arrive et là. À chaque question, trois propositions, Nora, d'accord ? T'es prête ? Seb, vas-y pour la première. La chose la plus folle que tu pourrais faire si tu décroches la ceinture de l'UFC. Petit A, te faire tatouer la ceinture sur le ventre. Petit B, louer Bruce Buffer une journée entière pour qu'il te répète sur demande Épinay-sur-Seine. Ah, elle est excellente, je ne veux pas savoir la troisième réponse. Et petit C, te faire agrandir l'un des trous que tu as dans les oreilles pour y faire passer la ceinture. Il faudrait voir les trous. On si on veut voir les trous dans les oreilles. Voilà, voilà ah, ouais. Je sais pas. Faut juste agrandir un tout petit peu. Ouais, bon, on va passer de 10 mm à... Ouais, là, tu c'est... t'imagines, je ressemblais, tu sais, il y a des tribus africaines où elles ont... Ouais, sauf qu'avec le poids, il y a moyen que je perde. non, bah... De toute évidence, c'est Bruce Buffer. Ah oui, évidemment. Épinette Jouchette. Ouais, c'est excellent. Génial. Je me suis dit, ouais. C'est génial. Allez, on enchaîne. Tu as le droit de choisir qui est dans les tribunes pour ton prochain combat à l'UFC. Petit A, toutes les autres filles de la KT. Petit B, Allen Iverson. Et petit C, Inox Tag, Michou et toutes les stars de YouTube que Seb ne connaît pas. Et que peut-être toi non plus, d'ailleurs. Non, je croyais que c'était des mots pour rigoler. Ah non, quoi, ces gens non. Inox Tag, non, mais non qui a monté l'Everest et tout, ça vous dit rien, ça ah, un peu on le buzz. On a parlé de lui la semaine dernière, il y a un documentaire sur... Oui, Inox Tag qui a monté Kaizen. Il est rentré sur ses doigts de pied, un truc comme ça. Bravo. Enfin, faut le faire. Oui, non, mais oui. Après, je connais pas, même Michou. Pour moi, Michou, c'était Michou. Tu sais, il y avait un. Qu'est-ce qui va me sortir ? Non, mais il y avait un bar. Pour... Le cabaret. C'est mais ça. Oui, c'est mais le cabaret. Michou, c'est ça. Non, mais c'est ça, Michou. Mais c'est vrai, si, cabaret, Michou. D'accord, mais c'est ça, on me confirme. Il y a un Pironnet qui est aussi d'une autre génération, bah, la mienne sait ce que c'est. Voilà. Et bah, du coup, c'est marrant ces trois réponses, hein, parce que autant A, je pourrais leur dire, bah, venez accéder à. C'est ça. Parce que là, le prochain combat, ce sera en mode, ok, c'est, voilà, c'est la suite, les filles. Allen, voilà, mais c'est, tu vois, bah écoute, hein, s'ils me filment tous, ça ferait plein de vues, plein de followers, plein de trucs, tu vois. Tout est stratégique, tout est stratégique. Bah, contre toute attente, je te dirais, c'est comme ça, il ferait grandir ma communauté parce que Allen, lui, il aura une place spéciale en front row pour venir quand je monterai et voir pour décrocher ma ceinture, tu vois. Et les filles de ma catégorie, De toute façon, elles regarderont quoi qu'il arrive. Elles regarderont, exactement. Eh ben, tu vois, je pensais pas en préparant que t'allais choisir celle-ci. Ouais. Mais c'est très stratégique. On a déjà la réflexion. Tu vois, c'était la suite de mes idées. Voilà. Allez, la troisième. Désolé, je te frappe. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, quel combattant serait pour toi le meilleur acteur ? Alors attention, là, on a des petits visuels à chaque fois, ça va être quelque chose. Cyril Gann dans Game of Thrones. Regarde. C'est pas mal, génial. Hein. On remercie Antoine, notre graphiste, qui a fait un taf monstrueux. Ouais, faut pas exagérer non plus. Je vais mettre des visuels pour mon instinct. Benoît Saint-Denis dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Alors regardez bien. Qu'est-ce qu'on lui a fait, bon Dieu ? Benoît Saint-Denis en bas avec Renato Moicano et un film de Renato Moicano. Ouais. Voilà. On aime bien vanner. Et enfin, petit C, Saladin Parnasse dans La Tour Sala Parnasse Infernale. C'est des idées avec H. Avec H. La tête de H, elle est mythique quand même là. C'est pas mal. Alors. Quel combattant serait le meilleur acteur ? Écoutez, je vais partir sur Cyril, parce qu'en plus, il est en tournage en ce moment. Mm-hmm. Et j'ai eu des échos sur le fait, parce que j'ai fait un petit stage de cascade au CUC début juillet, parce que c'est un milieu qui m'intéresse, et qui se débrouille très bien et qui percute très très vite. Donc je pense que Cyril, il a un bel avenir dans l'audiovisuel. Ouais. Bon. Non, c'est quoi ces noms ? Non, parce que on me parle dans l'oreillette. Moi, je dois gérer plusieurs choses en même temps. Donc voilà, j'essaye de jongler entre vous, entre Julien Perronnet qui me... Mais merci quand même à la régie qui fait toujours un travail phénoménal. La dernière question, elle est pour moi. Quelle serait la meilleure émission de télé pour des combattants de MMA ? Et attention, pareil, là, les propositions vont être avec des petits visuels. L'amour est dans le ring. Trouver l'amour en échangeant des regards tendres entre deux coups de coude au menton avec Manon Fiorot. Je suis pas sûr que ça Alors, vous n'allez pas le voir, mais dans le tracteur,
on peut apercevoir Aldric Cassata. Eh oui, c'est recherché, attention. Petit B, K.O. Lanta, il n'en restera qu'un sur l'île, hein, les chars de maudite, évidemment. Et petit C, LOL, Kiri, Dor, tu rigoles, high kick direct. C'est quoi? Eh oui, c'est les magies du montage, Nora. Non, bah, j'ai beaucoup rigolé pour la deuxième, mais non, forcément, la troisième. Ah bah oui. qui est-ce qui ne serait pas séduit par la troisième, voyons. LOL, Kiri, Dor, magnifique. Bon, on va enchaîner tout de suite, Seb, avec... ton coup de cœur, chaque semaine, hein, Seb a un petit coup de cœur. Et cette semaine, il va nous parler de l'AEF dans le queue du love. Le queue du love, le premier de la saison. Alors ouais, c'est mon coup de cœur pour un main event qui a eu lieu donc à l'AEF 8 à Quimper. Le main event qui opposait... Anthony Nantois, le sanglier, qu'on a eu la chance de recevoir l'année dernière, et Bafodé Gassama. Donc, Anthony était grandissime favori, c'était la ceinture des light heavyweight de l'organisation. Et là, pour la petite histoire, alors il y a eu le combat, un très beau combat, KO premier round, c'est Bafodé qui met KO à la surprise générale Anthony. Donc, il y a deux choses qui m'ont plu dans ce combat et dans l'avant-combat notamment, c'est Anthony Nantois qui, pour ne pas déranger les organisateurs, la veille du combat, arrive à la gare et il ne voulait pas appeler, il ne voulait pas faire le mec qu'on vienne me chercher. Il a marché une heure et demie jusqu'à l'hôtel. Du Anthony Nantois dans le texte. Anthony, pour rejoindre l'hôtel, une heure et demie la nuit, sur une départementale, sans lumière, avec un sac à dos hyper lourd. Et à un moment, donc il me raconte ça, ouais. Je lui dis, mais Anthony, mais t'es malade, pourquoi t'as pas appelé? Du coup, à un moment même, j'en avais marre de marcher, j'ai couru. Donc il a couru avec son... J'aimerais être dans sa tête. Ah non, mais c'est pas vrai. Il est énorme. Et je discutais avec Cyril, et même Cyril, on discute avec Cyril, on est dans les coulisses, dans les vestiaires avant qu'ils combattent, et je parle avec Cyril et tout, et même Cyril, il fait, quoi? T'as marché une heure et demie? C'est-à-dire que même Cyril n'était pas au courant. Et il mangeait ça, il mangeait son plat de lentilles, il nous racontait ça. C'était énorme. Et le deuxième truc, alors Anthony, il est adorable, c'est un mec les images. Très respectueux. C'est un super combattant, on le voit, super les images combattant. Du 100% fight. Hein. Et Bafodé, qui donc gagne ce combat, et qui à la fin prend le micro, me demande le micro, je donne pratiquement jamais le micro, parce que souvent ça part un peu en cacahuète. Et là, il me demande, Seb, il me le demande avec ce regard où je sais qu'il ne va pas raconter des conneries. Je lui dis, tiens, je te le donne. Et là, au lieu de dire, ouais, toi, je te prends, toi, je call out, machin, et un an. Il remercie juste et il explique que ça fait, il vient d'être papa, il a aussi une fille, ça fait un an qu'il ne voit presque pas ses enfants. Oh, ça fait trois mois de préparation, il n'a même pas vu sa fille pour préparer ce combat. Et il te le raconte avec ses tripes. Ça, en fait, ça a calmé toute la salle, ça a pris aux tripes tout le monde, même Anthony. Et puis tu l'écoutes parler parce que tu as envie que le mec il te dise qu'il a souffert de ça, mais que cette souffrance, elle se traduit par une victoire. Mais à la limite, même s'il avait perdu, le mec, il a gagné le cœur de tout le monde. Et pour ça, Bafodé, bravo. Et merci pour ce moment intense qui radoucit un petit peu le MMA qu'on avait bien besoin en ce moment. C'est ce qui s'est passé, bagarre ça pue un peu. Donc voilà, dérivé. C'était mon queue du love sur un main event light heavyweight de l'AEF 8. Donc merci pour ça, les gars, Anthony et Bafodé. Voilà. Toujours des beaux coups de cœur de Seb alors qu'on entend la musique du sanglier. Et c'est dingue parce que derrière cette musique, il y a une histoire. C'est un mec qui a créé cette musique, qui est ingénieur informatique, je crois, et qui a créé un truc comme ça où il répète à un moment, t'as le sanglier ou je sais pas quoi. C'est la musique. Et du coup, Anthony Nantois a pris cette musique. C'est horrible. C'est horrible. Ça va être. Anthony, tu le connais pas, toi, Nora, t'as pas eu l'occasion de le rencontrer nulle part, Anthony Nantois. Non, même pas. Mais enfin, si, je crois que j'ai croisé une, deux fois, mais vite fait, ça, événement, machin, croisement de regard. Voilà, tu vois, le sanglier. Il s'entendrait trop avec Alexandra Tekena. Et la musique s'arrête, ça fait le sang. Oui, mais on l'a entendu, c'est ça. En fait, c'est un mec qui est savoyard et qui défend la Savoie libre, tu vois, et qui est matrixé par ça. Et c'est un phénomène, vraiment. Il est excellent. C'est un mec gentil, il est très bien encadré. Cyril et la Snake, c'est un personnage. Et ça devient un personnage du MMA. Et là, c'était. Voilà, c'est... Bon, il va se remettre. Même lui, il a été très lucide sur son combat. Voilà, j'ai perdu, j'ai pris un KO. Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. On fait du sport, c'est pas grave. Et bim, voilà. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est le message qu'ils ont véhiculé tous les deux. Et c'est franchement bien. Bon, on va enchaîner. On est déjà bientôt à la fin de l'émission. Et alors, cette semaine, je vais échapper à la bagarre. Et pourquoi? Parce que, dans de sagesse oblige,
et n'aurait pas en forme. Non, ouais. Je ne peux pas me prendre de coups. Question de timing. Écoute, aussi. Je sors d'une chirurgie avec des pans de suture dans la gueule à cause de ce qui s'est passé avant le fight. J'ai combattu malgré tout sur votre plateau malgré tout. ça, tu vois. Ça, alors, nous, je vous propose un truc. Ça, nous, on ne le sait pas, nous. Personne ne le sait. Et c'est vrai. Ça, et personne je trouve que c'est tout à ton honneur de ne pas en avoir parlé. Et ça va faire peut-être taire certains commentaires méchants qui disent que, putain, tu t'es fait opérer des chicots avant. Ouais, non, mais... Enfin, là et avant. Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, et c'est pour ça, en vrai, et je vous dis, moi, ce qui m'a amené à sensibiliser, mais c'est un point santé, c'est hyper important, par rapport à ma thyroïde et tout, je me suis intéressée à ma santé qu'une fois que je suis tombée très malade. Et donc, c'est une fois que c'est trop tard. Il faut prendre soin de son corps, c'est trop important. Ouais, la prévention... Encore une fois, j'ai pris une décision et mon équipe me disait « Nora, t'es sûre, machin ?» Je dis « C'est l'UFC Paris, c'est l'UFC Paris. J'ai fait un camp de 3 mois, je vais pas arrêter maintenant. » Donc, il y a eu le pied cassé maintenant, les gens sont au courant. Vu qu'Alex en a parlé, hier, j'ai fait un post hier où je relatais mon camp. Et les deux dernières slides, effectivement, on me voit avec la botte où bah, en fait, j'ai retiré une semaine avant l'UFC Paris et j'ai tourné avec pendant 4 semaines. Ouais, c'est incroyable. Et c'est pour ça que du coup, j'étais… Enfin, les gens, moi, j'ai pas fait l'analyse de suite, on me l'a dit. C'est pour ça que je tournais beaucoup vers la cage parce que tu sais, avec la botte, je ne peux pas prendre l'opening, en fait, et dans mes habitudes d'entraînement. Et tu répètes ce que tu fais à l'entraînement, au final, hein, c'est à ça que ça sert. Et en fait, je me dis, bon, bah, ça va, j'arrive un peu à remarcher, je n'arrivais pas à kicker avec le pied. Et à chaque fois que je l'ai fait dans le combat, je me dis, pourquoi tu fais ça, Nora, t'as mal. Mais bon, bref, ça, c'est un détail. Mais je n'en parle pas parce que les gens vont dire ça comme, ouais, machin, une excuse. Et encore une fois, je le redis, ce ne sont pas des excuses à ma défaite. Oui, bah, je me rends compte maintenant qu'effectivement, si je suis lucide avec moi-même, ça m'a amoindri, mais je me suis je peux dire que je me suis plus belle que ce que je peux peut-être vraiment encaisser parce que je me suis dit ouais, je m'en fous machin, je vais y aller, moi je suis forte de toute façon, je peux tout braver et je serai en pleine forme, mais j'en ai pas parlé parce que oui voilà, c'est des excuses pour les gens. Bah, en fait j'ai commencé à avoir mal à la dent le mercredi, je me dis ah fais chier, bon. Le jeudi, je commence à avoir très mal, j'ai la joue comme ça. Le vendredi, donc là, on est à 2 nuits de chute où je ne dors plus, où il n'y a plus rien qui fait machin. La joue, elle est comme ça. Donc, on me file un mauvais traitement le jeudi. Je me dis non, j'ai trop mal, je ne dors plus, à me taper la tête contre les murs. Le vendredi, je vais voir un autre dentiste et il me regarde. Déjà, j'ai vu à l'accueil comment on m'a regardé. Je regarde mon accompagnant, je dis... Bon, on y va. Et il me regarde, il me dit, alors je t'explique, le problème c'est que tu as pris des anti-inflammatoires et qu'il ne faut pas prendre des anti-inflammatoires quand tu as mal aux dents. Ne prenez pas des anti-inflammatoires quand vous avez mal aux dents parce que ça fait flamber ce qu'il y a à l'intérieur. Et il m'a dit, en fait, toutes les molécules qui ne sont pas à l'hôpital et de classe supérieure ne te feront plus rien. C'est arrivé trop tard. Normalement, là, on t'hospitalise et tout. Et il me dit, en vrai, il me dit, je vois pas à quel moment tu veux faire un cutting, parce qu'il faut savoir que la cortisone, ça fait gonfler, ça, t'as de la rétention d'eau et tout, et à quel moment tu veux combattre, en fait. Et il me dit, est-ce que t'es sûr de ce que tu fais? Je lui dis, écoutez, vous êtes le chirurgien dentiste, ça, c'est les problématiques de moi et mon équipe. En fait, moi, j'arrive dans un moment où soit tu me donnes des trucs positifs et des problèmes, enfin des solutions à mon problème, soit tu ne me dis rien, en fait. Il l'a bien compris très rapidement. Donc, il m'a donné un traitement, mais de cheval. Et il m'a dit, je lui ai dit, par contre, comment on fait pour que c'est un impact moindre par rapport au cutting? Est-ce que je peux diminuer la prise? Il m'a dit, bah, le minimum, c'est que tu t'arrêtes le mardi. Mais normalement, tu les prends jusqu'au vendredi. Sauf que par rapport à la FLD, tout ça, machin, c'était bah oui, mort. Et donc, du coup, par chance, j'espérais juste que ça dégonfle, en fait, pour le mardi, parce que quand on doit arriver à l'hôtel, si tu arrives avec une oisillette, t'es out, salut, tu vois. Oui. Donc, les douleurs, elles se sont estompées le mercredi, mais il m'avait bien dit, écoute, le problème, c'est que là, j'ai donné un truc, c'est clairement un pansement. Pendant 4 jours, ça va plus gonfler, tu sentiras pas les douleurs comme ça. Il me dit, pour le combat, je peux pas t'assurer que tu sentiras rien, tu vois. Mais après, à un moment, tu vas à la dernière et au mental. Et moi, dans ma tête, tu sais, c'est autoconviction. Je ne sentirai rien, je serai forte, je suis une guerrière et une battante. Mais surtout, en fait, là où c'est surtout écoutez-vous quand vous avez l'impression que vous n'avez pas le bon traitement ou que ça va pas. Parce qu'il m'a dit clairement, la dentiste qui m'a dit d'attendre le mardi, si j'avais attendu le mardi, on serait peut-être pas en train de parler, en fait, parce qu'il m'a dit que l'étape d'après, c'était compliqué, quoi. Et donc, ouais, du coup, ça a reflambé quand je t'ai parlé. Là, on est mercredi. Ouais. Ça a commencé à reflamber lundi. Donc, jeudi. Ça a commencé à reflamber mardi. Donc, tu vois, vraiment pile poil. Ouais. Et là, chirurgie en urgence parce que j'ai trop mal. Donc là, j'ai 3 points de suture dans la gueule. J'ai un mal de chien. J'ai pris des antidouleurs et tout. Là, encore une fois, je marche à l'adrénaline parce que je suis contente d'être là et compagnie. Machin, on aura les popoles.
tu vois. Mais ouais, non, les dents, comme dit mon coach, c'est vraiment le truc qui peut vraiment mettre out un boxeur pour le coup. Bah, c'est vraiment, t'as une rage dedans avant le fight. Déjà, moi, ça m'a mis à out, je suis pas boxeur, alors... L'hygiène dentaire, pourquoi il y a une époque, même en athlétisme, vous avez tous des bagues. Parce que l'hygiène dentaire et l'alignement des dents, ça joue sur tout le corps humain. Et c'est vrai que là, tu révèles un truc. Voilà, et c'est vrai que quand on ne sait pas ça, on regarde tous les haters qui marquent. Ouais, mais quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas tout, tu ne dis rien. Tu peux donner ton avis, mais sans méchanceté. C'est ça, mais en fait, c'est ça. Et c'est, là, c'est... Tu vois, écoute-toi, moi, je suis ton coach. Je te dis, hey, tu vas te coucher. Mais c'est pour ça que je ne suis pas coach aussi. D'accord, voilà. C'est bif. Mais encore une fois, j'aurais dit, mais prends soin de ta santé, on n'en a qu'une. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, attention. Hein, mais très, très, très attention à moi. Je sais, bah oui, franchement, je taquine. Oui, non, ils font très attention et puis, à moi. De toute façon, tu m'aurais envoyé chier. Hein. Il y a trop de choses. Je combattre. Les amis, après la psychologie et les soins dentaires, on sort du médical, on va basculer dans le cinéma. Et je crois que. Bah quoi, on fait de la prévention. C'est l'heure. Nous sommes une chaîne d'utilité publique. C'est là, l'heure s'annoncer. Du main event. Allez, c'est parti. Attendez. Laissez-moi remettre les choses dans l'ordre. Je suis là pourquoi ? Pour une question de timing. Nous allons enchaîner tout de suite avec le main event. Mais, à la toute fin de l'émission, quand je vais rendre, qu'on mettra le générique de fin, Nora aura le droit de me frapper. Mais les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Ah oui, non, mais c'est. Mais ça sera tout à la fin. Pour l'instant, on se concentre. T'as de la chance, les gants, ils sont. Sur le main event. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est du 18, je crois. Allez. C'est du 18. Je tape avec du 18. Oh. Droite ou gauche ? Non, parce que attends, Nora, il y a le MMA, il y a le Muay Thai. On dirait deux gosses dissipés, là. Moi, j'essaie de cadrer le truc. Taper. Ouais, c'est ça. Il y a le MMA, mais tu es aussi actrice, on peut dire, c'est ça ? Comédienne, tu. Comment on dit ? Pour toi. Comédienne. Je m'appelle Nora. Je m'appelle Nora Cornell. Ah, mais actrice, c'est ça. Tu... Oui, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Tu joues dans certains courts-métrages ou des choses comme exact, ça. Exact, ouais. C'est ça. Ouais. Eh bien, on a prévu un petit truc pour cette émission. On va s'essayer au doublage. Oh. OK ? Ah, le doublage. Donc, je remercie Roman Dub. Vous allez voir sur sa chaîne YouTube si vous voulez vous essayer au doublage, il y a tout. Et on a pris deux vidéos. Roman. On va commencer par une vidéo où vous êtes que tous les deux. Ah. C'est Toy Story. Est-ce que vous connaissez Toy Story ? Ah, de nom, oui. Après, voilà, oui. Et le passage, c'est avec Buzz et Woody. Je veux être Buzz. Tu fais Buzz. Pardon. Ah oui. Buzz. Bon, allez, Buzz et Woody. C'est dire à quel point je suis une gosse. Buzz, c'est en bleu, Woody en rouge. Okay. Il me semble. Putain, mais on n'a pas la tonalité et tout. Bon, c'est pas grave. Woody, ok. Buzz en bleu, Woody en rouge. Okay. Woody, Buzz, Nora. Okay. Je suis plus stressé que samedi là. Arrête. Dès que vous êtes prêts, on dirait qu'ils sont plus stressés qu'avant un combat. Grave, là, je suis à fond. Est-ce que là. C'est bon ? On est prêts. Ah non, je suis Woody, donc en rouge. 3, 2, 1, c'est parti. Buzz en bleu, Woody en rouge. Selon mon infonavigateur. Oh, la ferme, hein, pour vos crétins, ferme-la. Shérif, c'est pas le moment de paniquer. C'est l'occasion rêvée pour paniquer. Je suis perdu, là. Andy a disparu. Il déménage dans 2 jours et tout ça, c'est de ta faute. Ma faute ? Tu ne m'avais pas fait tomber par la fenêtre ? Oh, oui, mais c'est toi. Et oui, tu as débarqué dans ton stupide vaisseau spatial en carton et qui m'a volé tout ce qui est important pour moi. Ne me parle pas de ce qui est important. À cause de toi, la sécurité de l'univers est menacée. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Là-haut, tapis au con, l'envers secrètement mise au point une arme capable d'annihiler une planète tout entière. Et moi, seul détient l'information qui pourrait vous permettre tous de survivre. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Sarcomède. Tu n'es qu'un jouet. Tu n'es pas le vrai Buzz d'éclair. Tu es un pantin articulé. Hein. Tu n'es qu'un jouet en plastique. On avance. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. C'est ça, ouais. Bon débarras, ouais. Pauvre andouille. Magnifique. Bravo. C'est dur. Hein, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. On va en faire un. J'ai les pas trois. Compris qu'il fallait attendre le tirer en rouge, tu sais. Au fil du temps, c'est. Regardez. Donc, on va en faire un tous les trois avec le roi lion. C'est la scène où Scar veut tuer Mufasa. Oh. Vous l'avez en tête avec les deux hyènes. Il y a Banzai et Shenzi, voilà, et Scar. Alors, qui est qui ? Moi, je suis Shenzi. Moi, je suis Scar. Ok, je suis Banzai. Scar, il a le mot à dire, donc ça me va. Banzai. Allez, quand vous voulez. C'est bon, Scar pour moi.
Shenzi pour Nora et Banzai pour Seb. Quoi. C'est parti. Faut bien suivre la ligne. Oh, quel brut ce Mufasa! Je ne vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine! Je trouve pas ça drôle! Elle a pas compris, Nora. Hé, la ferme! C'est fini, oui! Ah, oh, c'est lui qui a commencé! Non, mais regardez-vous! Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire! Moi, j'aime pas me balancer! Ah ouais? Vous savez qu'il n'y a pas les lions. C'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas plus, les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puis, hein. Et en plus, ils sont... affreux. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Allez, Oscar, ce n'est que toi. Ouais, c'est quelqu'un d'important. Dans le genre Mufasa. Ouais. Je vois. Alors lui, il est puissant. On parle pas. Hein, cassons-nous, j'en peux plus. Mufasa. Encore une fois. Mufasa, hein? Mufasa, hein? Mufasa, hein? Mufasa. J'en ai des frissons partout. Je patouche dans l'imbécibilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. Toi, t'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Oh ouais. Et il nous apporte quelque chose à manger, le vieux copain. Hein? Dis. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les deux lionceaux sur un plateau. Et vous ne vous... C'était écrit petit comme des incapables. Eh, faut dire que... c'est pas exactement comme s'ils avaient été tout seuls. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non. Tuer mon Mufasa? Attends, je vais faire avec la voix de Rocky, là. Précisément. On chante. Eh, on est pas mal, ouais. C'est vrai que ça donne envie d'en refaire d'autres. Ouais. Mais c'est dommage, Réac, je savais pas ce que ça avait. Voilà, les applaudissements, Réac, évidemment. C'est pas mal. Donc, vous allez sur la c'est chaîne YouTube de Roman Dub, vous avez plein d'extraits Roman comme Dub, ça. J'adore, merci. Roman Dub. C'est trop bien. Eh bien, c'est déjà la fin, les amis. Donc, allez, mets-moi le plastron pendant que je dis au revoir à tout le monde. On remercie plein de personnes, tous ceux en régie, Pierre Driot, Clément Ritter, Julien Perronnet. Rappelle-moi, Julien, le nom de notre nouveau cadreur. Je crois que c'est une de ses premières. Oui, on remercie Louis. Et puis, on remercie évidemment Ringcage qui nous fournit plein de matériel. Merci à Saïd, ouais. Ringcage, ouais, qui nous a fourni tout le... et qui sera notre partenaire toute cette saison. Ringcage, merci beaucoup. Voilà, et j'attends avant de remercier Nora Cornol en fonction du coup qu'elle va me mettre. Eh ben, c'est à toi, Nora, pour conclure cette première émission de la deuxième saison de MMA Chill and Fight. J'ai un peu de la peine parce que... Attends, non, mais attendez. Parce que... Seb, faut que tu te dé... Tiens, assis-toi. Je m'assois. Kao. Tranquille, hein, tranquille, Nora. Non, mais parce que je... Non, c'est vrai, les dents de sagesse, quand même. Oui, voilà. Mais non, c'est pas grave. Oui, voilà, il a dit. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire Shura. Pouh. Que dans le plastron, non ouais. Hein, ça, c'est... Le plastron. Ouais. Fais peur. Allez, merci à tous de nous avoir suivis sur Sport en France. On se donne rendez-vous dès demain si vous voulez suivre en télé l'émission à partir de 22h30. Et puis, jeudi prochain, nouvelle émission à 15h, nouvel invité. Vous restez avec nous, on est en direct sur Twitch. Merci beaucoup, Nora, d'être passée sur le plateau de MMA Chill and Fight. Merci, Nora, merci. Et on se revoit vite, Nora, merci. Allez, salut à toutes et à tous. À tous. À la semaine prochaine.